Eh, bienvenue Salut tout le les gens, monde! c'est Salut, Gopinger, les salut! Noob Tower. On se Comment vous retrouve allez? aujourd'hui pour un nouveau live. Et aujourd'hui, les Effectivement. amis, on va se retrouver sur un tout nouveau jeu qui est Ouais. sorti très récemment. Je crois qu'il Ouais. est sorti hier. Vendredi, je crois. Parce que c'est C'était vendredi, je crois, vendredi? qu'ils nous l'ont proposé. Je crois que c'est vendredi. Bon, bah, Bon, en autant tout pour cas, moi. c'est sorti très C'est récemment. Hein. très récemment. Mais du coup, Quoi qu'il le jeu importe. s'appelle 51 Salut, salut. Worldwide Classic. Il y a plein de jeux de société dans ce Ouais. jeu sur Nintendo Switch. Il y a également des fléchettes, Oh, il y du a plein de trucs. bowling. Et hop, Mais Yop, le petit merci clac, un abonnement, les amis. infiniment! Ton 10e mois, merci Yop, ça fait 10 mois déjà. Merci beaucoup, Yop, les gars. Une vague de GG pour Que Yop, le s'il vous plaît, dans le temps chat. file vite. Oh mon Dieu, Yop, Ouais, dis-moi. ça fait grave plaisir. Il faut savoir que le jeu qu'on va jouer, c'est pas le premier de Clubhouse Games. Il faut savoir qu'il y a d'autres jeux, je crois qu'il y en avait 40 et quelques. C'était sur 3DS ou sur DS, je sais plus. Je crois que c'était sur Si, DS. GG les gens, vous Enfin êtes bref, adorables. du coup, nous on connaît pas du tout. Parce qu'il faut savoir, on va pas vous mentir, les amis. On est très nul en jeu de société. C'est-à-dire que on connaît, on a un Monopoly édition Nintendo à côté. Et on l'a Mais c'est jamais tout. ouvert! C'est tout, on a. Enfin, si, on l'a déjà ouvert. On l'a ouvert, on a fait une game et après on a fait. Ok. Oui, mais c'est le Monopoly aussi. C'est le Monopoly. Mais du coup, il faut savoir que nous on Pas connaît du tout, très. Yop. C'est 10 fois mieux, 20 fois mieux que One to Switch. Mais il faut savoir qu'on connaît très très peu les jeux de société. Donc, du coup, voilà, nous ça nous permet de découvrir Oui. plein de choses. Maintenant, Bon, des basiques on est et tout, moins mais. inculte Oui. qu'avant. Parce que depuis qu'on a rencontré Anao et François, ils nous ont initiés à des très bons jeux de société. Ouais, Du c'est coup, ça. maintenant, on sait qu'il existe des bons jeux de Ouais, c'est ça. En société. fait, Avant, dites-vous on que n'était pas le. sûr de leur Ouais. existence. Maintenant, on en est certain. Dites-vous en fait que le Monopoly, le Uno, les trucs comme En ça, gros, la bonne paye, les trucs comme ça, c'est un peu. les plus connus sont les moins bons. Voilà, c'est ça. C'est un peu. Tu sais, c'est comme si tu regardais un film, tu regardes que les grosses productions et tu regardes pas les moins bien, tu vois. Bon, c'est mon cas. Mais du coup, en gros, c'est pas les plus connus qui sont les meilleurs. Et du coup. Grâce à Noé et François, on avait été testé avec Atossé aussi. Du coup, des jeux de société, des vrais, et c'était vraiment cool. Donc moi franchement, ça m'a hypé. Et il y avait le Loup-garou One Night aussi. Et ça m'a hypé. Ça m'a C'était hypé. grave cool. Mais Comment du coup, on va allez-vous les découvrir tout amis? ça. Bienvenue à tous. Salut à Ouzou, salut à Nao, salut Salut, salut. Katossé, salut Yop du coup, salut Fleur, salut Matix, salut Alissane. Coucou Tim, salut Luc Salut, Sakerman, salut. bienvenue, bienvenue, salut le petit geek, salut Lim. Salut Kiss Fox, bienvenue, salut Fabio, bienvenue, Bienvenue tout le monde, bienvenue. bienvenue, bienvenue. Donc derrière, il faut qu'on remercie, c'est la Salut boîte com, les Master. amis, qui nous l'ont proposé de Oui, tester. on Du dit coup, un nous on grand s'est dit, merci à on la boîte connaît pas, com. mais voilà, Ils on est nous ont parti. envoyé le jeu gratuitement, les Voilà. amis, pour qu'on puisse vous le faire en live. C'est ça, donc c'est grâce à eux, Sachez que le fait qu'on nous offre les jeux gratuitement ne comment expliquer ça? Ne change pas notre opinion sur le jeu. Si le jeu est Ah cool, oui, il le est fait qu'on nous cool. ait offert le jeu, S'il ça est change naze, rien. il Voilà, est naze. on le On vous le dira. dit à chaque fois. Il me semble aussi qu'il faut le préciser, c'est une exclu Switch, hein, je Coucou crois. Inix. Je crois que c'est Oui, je sorti que crois que sur c'est Switch, hein. l'exclu. Coucou Mais Lulu, coucou je me rappelle jamais le Yumina. nom du jeu qu'on avait fait au barrage à Anao. Je suis tout aussi nul que ça pour la mémoire. Salut Mina, Je salut à t'ai dit, tous. tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des pépites. Ouais, il y Et avait des c'était un pépites. truc de Et toi, tu western. jouais les pépites d'or, toi. Moi, je jouais les pépites Ouais. à fond. Du coup, il faut savoir qu'avant de lancer le jeu, on va juste vous montrer un jeu qu'on a découvert au dernier moment. On va Coucou vous montrer le Interprète! trailer. Ouais, on Et va vous c'est montrer le Interprète. Il a trailer. l'air cool, mais il a l'air d'être vraiment vachement inspiré de plein de jeux. Ça va vous éclater aux yeux de toute C'est façon, vous allez un voir. jeu, en gros, Salut, Robin, salut il à y a eu tous. actuellement, je crois que c'est au Japon qu'il y a dû y avoir, je crois, je sais pas. Ouais. Bref, il y a eu, une convention sur des jeux indés qui vont Voilà, c'est ça. sortir. Principalement certains au Japon, mais quelques-uns seront exportés dans le monde entier. Et celui-là en fait partie. Il sera en bêta, en gros, en avant-première sur Steam au mois de juillet, ce Ouais, donc qui c'est est super tôt, hein. hyper Super tôt. tôt pour un jeu qu'ils viennent juste d'annoncer, je trouve. Voilà. Oui, je veux ton partage, C'est Katsune, et je Dicetown, veux ok. trop montrer aux gens parce que Ouais. je trouve qu'il est grave cool, Bah, il a l'air très sympa. le jeu. Après, il y a des trucs, c'était pas très Y a... vegan. Vous Ouais, allez voir. mais il y Vous a. allez voir. Autant il y a Sans des vouloir trucs. spoiler, c'est pas très vegan. Autant il y a des trucs que j'ai vu dedans, j'ai fait putain, mais ça a l'air carrément trop bien. Ouais, grave. Et ensuite, j'ai vu un autre truc et là je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, juste je vais préciser parce que moi je m'y attendais pas du tout. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est un jeu pour jouer en famille et tout, le jeu qu'on va jouer ce soir. Mais
vous pouvez jouer en local avec plusieurs Switch et aussi en ligne. J'ai testé en ligne. Il y a du online. Donc encore une fois, s'il y a des gens qui ont une mauvaise connexion, j'ai vu ça sur internet, apparemment ça lag beaucoup. Mais moi personnellement, j'ai fait quelques parties, les gens ils devaient avoir une bonne connexion parce que ça s'est très bien passé. Donc tout ça pour dire qu'ils ont fait là-dessus vachement mieux que Mario Party. Ouais. Ce qui est quand même con. Bon, du coup, on vous montre le jeu, les amis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mon message MP Discord. Je crois que tu m'as dit que tu avais beaucoup de craft sur ta plage, Valériane. Si non, GizFox, nous, c'était à 21h ce soir. Mais on n'a pas la même photo de profil que Linka, GizFox. Je pense que t'as fait la différence, du coup. Mais sinon, Terfight, on va très très bien. Et toi, comment ça va? On va très bien. Et vous, comment allez-vous, les gens? Mon Boud, du coup, est-ce qu'on leur montre le jeu? On vous montre déjà le premier jeu dont on voulait parler et ensuite on passe sur 51. Exactement. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Okay. Good, je te propose de couper la musique Spotify avant de lancer. Voilà, on est bon. C'est parti, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez voir, c'est... il y a vraiment des trucs. Je trouve que c'est inspiré de ouf. Hein. Et salut Sky, salut tous. Et ce soir, c'est pas dit qu'on jouera ensemble, les gars. Parce qu'on va découvrir plein de jeux. Oui. Mais voilà. Mais. En vrai, avec le niveau de la musique et tout, enfin voilà, je vous laisse regarder. On va se mettre un peu plus petit, attendez. Un tout petit peu, un poil plus petit, voilà. Ici. Dans la ferme, on peut cultiver des trucs. Les animaux, les exploitent un peu. Ouais, les animaux, j'ai pas tout compris. Hein. Quand je les ai vus dans les roues et tout, j'ai pas tout compris. Mais ça a l'air cool. Moi, clairement, quand je vois ça, ça me fait vraiment penser à Breath of the Wild. Breath of plein the Wild, Pokémon. Mais il y a aussi du Pokémon. Salut, Julo. Il y a aussi du Airborne. Salut, Julo, bienvenue. Et franchement, ça fait plaisir. Bon, de toute façon, on aura Breath of the Wild 2 bientôt. Mais ça fait vraiment repenser à des feelings par rapport au jeu, quoi. Genre ça. Mais regarde ça, Breath of the Wild, ça, c'est exactement Breath of the Wild. Ça me tue. Mais il y a un moment, on voit un truc. Et genre ça, c'est un truc qui me fait triper de ouf, les gars. Ah ouais. Genre vraiment, il faut trop que je... Je vais vous dire à quel moment, mais genre... Déjà, il y a la ferme avec les animaux et tout. Là, ça va être là, vous allez voir. Ouais, vous allez voir, vous allez comprendre. Là, vous voyez, on récolte à la main, et là... Oh, c'est très cool. Un robot qui récolte à ta place. Ah, oui, c'est ça que tu parlais. Mais oui, c'est Dark Mouton, c'est génial, c'est comme ça. Moi, c'est ça que je parlais. Mais ça, c'est trop bizarre. Ça, on n'a rien compris. Ça, on comprend pas trop, mais oh, genre... Oh, mon Dieu. Le truc avec le robot qui récolte tout seul, ça me fait trop penser aux drones qu'il y a dans Slime Rancher et qui font tout à ta place, et c'est trop bien. Le gentil vegan. C'est Breath of the Wild, mais en moche. Bah après c'est pas les mêmes développeurs, hein. Nintendo ils ont quand même les moyens, les gars. Oui. Trop bien les vaches, t'as vu ça un peu? On va vous dire le jeu, de toute façon vous allez le voir, les gars, vous inquiétez pas. Mais du coup il y a du combat, apparemment il y aura peut-être du PVP. Il y a un aspect farming avec la ferme, avec les animaux, voilà. Il y a un aspect capture avec toutes les créatures. L'aspect exploration, apparemment il y a une fusée. Donc du coup les gars, c'est Craftopia. Et ça sera sur Steam en juillet, c'est pas en bêta, c'est en alpha. Mais moi, ouais, franchement, tu vois ça. Juste ça. En vrai, il y a quand plein j'ai de vu trucs, la radar, je me suis dit, il y a plein de trucs dans le jeu qui me hype, Linkiant. Il y a juste des trucs que je comprends pas, genre les exploitations animales là et les vaches qui finissent. Bah après, dans ça fait partie d'un. Voilà. Mais oui, il est pas très moche. Non, il est pas moche le jeu, faut pas dire ça. Mais du coup, je vous remonte la petite séquence. On va mettre un petit mode ralenti dessus. J'ai envie d'un petit truc chill ce soir, alors c'est la vie. Parfait, mais c'est nickel, Dark Mouton, comment vas-tu? Ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est une catastrophe. Avec la musique en plus. Pourquoi tu fais ça? C'est moi, ralenti, les gars. C'est moi, j'étais obligé. Et les Pokéball, what the fuck, oui. Mais du coup, on verra, mais... Aïe. Il y a plein de trucs, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Usine Charal, ouais, c'est exactement ça. C'est productif, hein. Mais du coup, c'est vrai que cette séquence me fait rire. Mais du coup, voilà, Craftopia. Du coup, on verra qu'est-ce que ça donne. T'en penses quoi, toi? On verra bien ce que ça donne maintenant. Salut, Super Jeanne. Salut, Super Jeanne, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Mais le jeu a l'air cool, hein, dans sa globalité, franchement, vraiment cool. Je comprends parfaitement, Merci, Fleur. Je comprends parfaitement. Merci beaucoup, Super Jeanne, pour le follow. Merci beaucoup à toi. Mon newbie. Tu prends ça, si tu veux qu'on joue avec chacun un Joy-Con, c'est ouais, ça? Ouais, c'est chacun un Joy-Con. Et bah, tu prends dans la boîte. Attendez, les amis, je reviens. Il y a les trucs comme ça, le dragon.
Bon, du coup, il y aura peut-être des jeux qu'on fera solo parce qu'il y a vraiment des pas jeux. Pas du tout, à mettre 40 euros dans ce jeu. J'ai vu qu'il y avait de la pêche. En vrai, je comprends, Linkin. Personnellement, de moi-même, je pense pas que j'aurais mis ce prix-là dans un jeu avec des jeux de société, mais parce que de base, je suis pas fan des jeux de société. Ouais, mais après, là, on va découvrir. Là, les gars, c'est la découverte. Hein. Oui. C'est le Foxy. Hein. Pas de game avec des viewers ce soir. Vimix, je pense qu'on va plus découvrir, honnêtement. On va découvrir. Je pense qu'on va plus découvrir. Bon, bah, Bou, t'es prête ? Je suis prête. Ok, les gars. Je vous mets sur une super séquence, les amis, la séquence où on connecte les manettes. Quelle manette, les manettes. Mais clairement, j'ai vu des avis sur internet et tout, et franchement, les gens, ils ont l'air vraiment chauds quand même sur le jeu. Hein. Il a vraiment du potentiel, quoi. Voici vos manettes Joy-Con. Parfait, parfait. Bon, newbie. Oui. Du coup, les amis, est-ce que le son n'est pas un poil trop fort? Il est trop ou fort. Ou est-ce qu'il est parfait? N'hésitez pas à me dire. Il est trop fort. Salut Cinéaï, salut à tous. Un petit poil, ouais, c'est ce que j'aurais dit. Hein. Là, je trouve que c'est bien, là. Honnêtement. Là, c'est nickel, là. Là, on est bien. Hein. Oui. Mais regardez, il y a des jeux de tank, il y a des jeux de pêche, il y a des jeux de circuit routier. Boud, je viens d'arriver sur le circuit routier. On va tester ça, ok? Vas-y. Circuit routier. Les amis, on découvre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est très important. Et puis, voilà, amusez-vous. C'est donc, parti, pied au plancher. Donc, il y a toujours une petite phase de règle avec les règles, un peu. Bon, là, on connaît la règle, hein. Bien évidemment. Oh non, le virage. Ok, il va pas falloir qu'on aille trop vite. Hein, ouais, bon, si on va trop vite, on sort. Savoir ralentir. Ok. Vous voyez la gamine en rouge là? C'est une tête à claque. J'ai entendu sa voix, c'est une tête à claque. Bah, c'est largement mieux que One to Switch. Hein. Après, c'est pas aussi bien que Wii Sport. Et les gars, Wii Sport, il y avait 4 jeux dedans. Hein. Quand ouais, même, faut hein. Vous calmer hein, les gars, Wii Sport il était pas gratuit pour rien, il a pas coûté grand chose. Et tu jouais pas en ligne, les gars, oubliez pas que là vous pouvez jouer en ligne et avec le chat vocal et tout, hein, franchement c'est pas mal. Bon, du coup moi je suis bleu, Nubi c'est J2, hein. Donc voilà. Ah, oh, attendez les gars, drift. J'ai un peu de Joy-Con Drift les gars parce que j'adore le Joy-Con Drift, j'espère que vous connaissez. 6 tours, ça te va, bonne? Vas-y hein. Eh ben parfait, Sinéaï. Wii Sport Resort, ah d'accord Vimix, je comprends mieux. Alors, du coup, accélérer. Alright. Ok. Merci Florent pour le host. Merci. Ok, on est en train de tester. T'as compris comment accélérer? Non. Ok, c'est la gâchette en fait. C'est. Pardon, c'est juste le joystick. Depuis qu'il en profite pendant que je l'explique. Attends, Boud, on va sur la ligne d'arrivée. Attends. 3, 2, 1. L'espace de bâtard. J'ai fait exprès. C'est bon. Salut vélo, salut à tous. Salut Spec. Oula. Oh putain. Oui, effectivement, faut pas aller trop vite. Je suis la rose, il est la voiture bleue. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Je suis pas encore... Non ! Accident ! Moi aussi, je suis deg. Non, j'adorais faire ce genre de circuit quand j'étais petit. Avec les voitures. Je sais pas si t'avais eu l'occasion, toi, Will. Si, un peu. C'était trop cool. Tu m'as défoncé ? Coucou Florent, on va très bien et toi, comment vas-tu ? C'est le spectre. Nubi, comment allez-vous les amis? En fait, tu t'es entraîné pendant que j'étais au boulot. À vous. Non. Ok, oh. Ok. 3 circuits, ok. On va faire le circuit 3, on va rigoler. Parce que là, il y a un looping. On va voir comment tu te sors sur un looping. Nubi, maintenant, on sent qu'attends, sans pas me griller. Non, attends, je vais pas me griller. C'est ton top secret, qu'attends. Elle a fait du piano, ouais, mais j'étais nul au piano. Moi, je suis prêt, moi. Okay. Je suis prêt. Et les gars, oubliez pas, c'est un mini-jeu sur les 51. Et vous pouvez jouer en ligne. Ok. Tu vas faire quoi face au looping là? Ouh. Non. Alors, c'est ça chute. Dégage ou pas? Oh, tu peux encore venir, Moon, t'inquiète. J'ai pris tellement cher. Oh, les loopings, mec. J'essaie de conserver mon avance sur Nubi. Mais je sais pas si je vais y arriver. Salut Dark Nuctali, salut à tous. Y'a pas de soucis, Florent, non, mais t'inquiète. Cette chute! Et tu rigoles? Oh merde. Tu rigoles, mais t'avais failli me rattraper. Hein. T'as vu, c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est clair. Faut jauger, c'est galère. Hein. Moi, je veux au moins un ex-aequo, quoi. T'en oh, penses quoi? Oh, mais non, mais Nubi! Tu t'es mis un peu de pression, Nubi, c'est pour ça.
t'as gagné. Bon, désolé, Nubi. Non, mais c'était de la triche. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, là, du coup, on fait un vs l'autre, mais on pourrait faire des records et tout de temps aussi. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il s'est enregistré. Hein. Je note, vous offrir des petites voitures. Mais regarde, parce que ça mais peut être cher. Hein. En vrai, les vrais circuits pro comme ça et tout, ça coûte une blinde. Avec les bagnoles automatisées et tout, ça coûte une blinde. Vélo, peut-être, mais pas dans ce stream. Là, on découvre pour le coup. Boud, qu'est-ce que tu penses si on fait de la pêche? La pêche. T'aimerais ou pas? Pêche. Les gars, là, on est en mode total, en mode YOLO total. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez du jeu. Mais je suis riche, mais on découvre. Me souviens. Mais oui, je me souviens, Kato, tu es vidéaste, tu es streameuse, tu es forcément riche. Ça va ensemble, c'est la base. Ah, oh, comme dans Animal Crossing, les gars. Ça s'arrête jamais. Ok. Bon, il y avait vraiment aucune règle. Il n'y a pas de tuto. Ok. Bon, vas-y. Bah, t'es prête ou pas? Ouais, moi, je suis prête. Il n'y a aucune règle. Vous avez fait le jeu suite de 6, un truc comme ça. On vient juste de commencer, Sinaï. Je t'avoue qu'on connaît rien du tout. Là, on a fait le jeu des petites voitures et maintenant la pêche. River Monster. Je crois qu'on va pas être au même niveau que le mec de River Monster, Valerian, mais disons qu'on débute. Tu peux aussi jouer sans le Joy-Con. Hein. Genre, tu vises et après... Wow. Ok, ça c'est pour déplacer. Et après, lancer. Ok. Ok, ok, les gars, je suis un pro d'Animal Crossing. Oh, oh, ok, c'est avec le joystick. Attends, voilà. T'as eu la carte Popeye. Putain, ouais. Moi j'ai eu un truc de merde, voilà. Un crapper lequin. Il est vraiment laid. Ouais, c'est pas si mal, commence pas. Des petits poissons, venez. Venez, petits poissons. Oh, ok, ok, ok. Pas de soucis, petit geek. Ah, une anguille, et t'en dis quoi? Pas mal. Ah, Animal Crossing in real life. Tout exactement. Oh, la carpe koi, c'est... ses yeux. N'oublie pas, tu peux bouger ta canne avec les boutons. Ouais, j'ai vu. Qui n'a pas envie... Qui n'a jamais envie de jouer à ce jeu en multijoueur, les amis, en ligne? Avouez. Oh, merde. À chaque fois, j'ai le réflexe de tirer. Oh, y en a un, il est énorme. Crapper, le cas. Ouais, en fait, je pense qu'il faut choper les gros poissons, on est d'accord. Vas-y, je vais faire exprès de l'avoir, Boud. Non. Quoi, non? Non, j'ai une godasse. Non, mais j'ai une godasse. On est vraiment dans Animal Crossing, les gars. Non, mais moi, je veux être là où t'es. T'as pris le gros poiscaille. Ouais, j'ai réussi. Non, c'était mon objectif, Nubi. Oh, wow, le poisson chat. Mais il est énorme. Eh, hey, salut, c'est Thanatos. J'espère que tu kiffes nous voir pêcher comme ça. C'est toujours un plaisir. Et les gars, vous trouvez pas que ça détend un petit peu quand même? En vrai, si, on est bien comme ça là. Ouais, je suis sûr qu'il y a un bar commun pour les gros. Ouais, je suis d'accord. Il y a un bon bar là, quelque part ici là. Moi, y'a pas. Allez, une anguille. Oh, oh, non, 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 non. Oh, faut que je le vole devant Nubi. Non. C'est qui va l'avoir? Ah, c'est toi, j'y crois pas. Bon, en vrai, tu l'avais en premier, donc ça va, tu vois. Je t'en veux pas trop. Salut Manmix, salut à tous. Salut Nora. Le poisson chat. Ah, il est gros celui-là quand même. Il est balèze d'ouf, mec, c'est abusé. Mais c'est quoi ça, sous le monde du Japon là? Ça va pas me faire gagner ça? Mais il n'y en a plus des gros, t'as vu ça un peu ou pas? Ouais, mais ils vont repop, t'inquiète. Non, mais j'ai eu deux godasses. On a déjà vu descendant, mais il y a longtemps maintenant. Non, mais Nubi! Tu vas pas commencer là? Non, mais rien pour moi. Vas-y, viens toi là. Amène-toi. Avance un peu comme dans Animal Crossing. Oh non, c'est un petit bébé. J'essaie de choper des gros poissons aussi, mais j'ai chopé le saumon du Japon. Ah oui, t'as eu deux godasses, Wood? Ouais. Ah, tu peux crafter la paire. Anao, elle a totalement raison. Oh, oh, carpe-coque dorée! Trop bien, je suis riche! Les gars, y a pas ça dans Animal Crossing là? Non, non, on a le dorado qui est doré. Wow. Vous en pensez quoi de la pêche? Vous en pensez quoi? Regarde ça. Eh, poisson chat, c'est gold, hein. Ça c'est goldé. Oh, t'en as eu plus que moi en fait. Bah, en fait, en mais en vrai, fait, c'est parce que j'ai eu les bottes. Ouais, voilà. Mes bottes, elles pèsent rien. À quel moment des bottes ça pèse rien? Ça pèse son poids quand même. Surtout si elles sont remplies d'eau. Hein. Oui, mais ça vaut pas de points. Non, mais je m'en fous, les points c'est au niveau du poids. En vrai, c'est les truqué. Bottes, les bottes. Les bottes, elles étaient grosses ou pas? Ou pas? Ah, c'était énorme, mec. C'était n'importe Après, quoi. Après, qu'est-ce que toi tu fais aussi à choper des trucs? Et vous avez vu, notre score garde à droite. Et quand vous enchaînez des gens en multijoueur, vous avez aussi le score qui garde. Vous pouvez rester avec la même session et tout. Baseball miniature, box, Boud. Je te demande. J'ai envie de te fight. J'ai envie de te fight là. Je te demande.
Je pêche en même temps dans Assez Lâche. Ben, il te manque des poissons, Sky Willy, pour ton musée. Moi, il me manque encore le requin baleine. Voilà, si je perds, je fais tes cornes à ta place. Mais je compte bien gagner. Sauf que d'abord, tu vas devoir franchir ma garde. Ok, c'est une tête à claque. Faut que je tienne. Donc en fait, quand t'appuies sur le bouton du bas, du coup, t'as une garde. Et les coups de poing, c'est le bouton là, apparemment. Ok. Oui, il y a une démo du jeu, apparemment. Tu veux la liste de mes corps? Oh, t'as. Oh! Non, mais le gamin, il était insupportable. Oh ok, Nubi. Du coup, je crois que ça s'est fra... Je crois qu'il y a deux touches, hein. Littéralement. Donc, il y a garde plus frapper, quoi. Mais tu peux pas te défendre indéfiniment. Attends, moi je suis où? Je suis quel? T'es rouge, t'es à droite. Ok. Là tu te défends à foison là. Et dès que tu te défends plus en fait, faut que je te fasse un coup, tu vois ce que je veux dire? Ok. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça part en couille. Ça, ça marche pas du tout cette technique. Aïe. T'as gagné. Putain! Vas-y Sky, tu vas l'avoir l'ombre, t'inquiète. Bon bah désolé Nubi. Non mais c'est de la triche. Moi j'ai commencé à jouer, j'étais comme ça, je savais pas qu'il fallait mettre la zapette comme ça. Bon bah du coup, on en refait une, okay, ok? Celui qui gagne, il a vraiment tout gagné, ok? Le gamin, t'as envie de le frapper, on est d'accord Dark Mouton? Salut Nintendo! Allez! C'est trop dur, mais... c'est non! Désolé Nubi mais... Oh! Tu m'as poussé au dernier moment là! Oui! Oh bah GG. Salut Nintendo, bienvenue! Je m'incline devant Nubi, c'est GG. Bon bah n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de la box. En vrai, tu sais c'est vraiment des petites sessions courtes, mais tu sais tu peux vraiment t'amuser avec la multitude de jeux. Oui. Si t'as plu le jeu de la box toi? Ouais, ouais. C'est simple mais efficace quoi. Bon Bud, est-ce que t'as envie de faire le boss ball miniature? Vas-y si tu veux. Je sais pas du tout comment ça joue. De toute façon on est là pour découvrir encore une fois. Oh non mais il y a encore un marmot. Allez, gamin, vas-y. Oh gamin, c'est toi le gamin je crois. Non. Je lance. Non. Ok, il y en a qui lance et il y en a qui doit faire le home run quoi. Okay. D'accord. Attention, j'y vais. Ok. Tu crois que t'arriveras à faire un home run ou pas? Ouais. Mais faut juste que je connaisse les touches. Et boum les gars. Mais ils sont trop mignons avec leur tuto, mais ils montrent pas les touches. Ils sont cons. Bon, en vrai, je crois que c'est A et A. Salut Chloé. Tu crois? Ouais, ouais, ça fait partie des jeux comme ça. Salut Chloé, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bon. Je suis pas un pro du baseball, hein, Bouddha, je t'avoue. En jeu. Ok, moi je suis bleu, toi t'es le rouge. Ok, okay donc moi, tu... Ah, regarde, t'as les bagues glissantes, plantes et courbées. Donc avec ça, tu peux me stresser un peu, tu vois. Ok. Ok, je suis prêt, t'inquiète. Hein. Comment je lance? Mais t'appuies sur les touches, là. Bah c'est ce que je fais. Ah ça doit être celle-là du coup. Ah non, t'en as pas d'autres? Bah non, j'en ai pas d'autres, espèce de nouille. Attendez les gars, on est en train de chercher. Moi ouais, j'ai fait un coup. Est-ce qu'il y a pas une... Ah, quoi? Trouvé. C'est vrai? Ok, ok, j'ai raté. Okay. C'est bon, ça s'est bien passé. Enfin, je crois. Ouais. Je te regarde, Bill. Mais... Attends. Vas-y, t'inquiète. C'est encore de côté. Ah, c'est encore de côté. Pour ça que en vrai, je pense qu'il faut que tu fasses vraiment de côté du coup. Ouais, exactement, Dark Mouton. Sauf que là, tu peux jouer en ligne. Okay. Exactement. J'ai fait les mêmes balles. Donc, c'est toi qui as les points là, non? Je sais pas. Je sais pas. J'ai fait un triplé apparemment. Le baseball, donc je sais pas. Ok, ok. On a échangé? Non, pas encore, pas encore. Ok. Fausse okay. balle. Ah oui, tout à l'heure j'avais fait un triplé du coup parce qu'il était dans le terrain en fait. Mais par contre, je suis nul les gars. Oh! Tu m'as grave vu avec ta balle lente là. Bien joué, Nubi. Bien joué, bien joué.
Ah, t'abuses grave en vrai. Oh merde! Il n'y a pas de soucis, Lim! Aïe! Coup dur! Passe une bonne soirée, Lim! Mais surtout, repose-toi, Lim! Vraiment, c'est important! Prends soin de toi et n'oublie jamais qu'un mauvais moment n'est rien de plus qu'un moment qui est mauvais. Exactement! Vraiment! T'inquiète, prends soin de toi, Lim! Non, mais par contre, je suis nul! Non, je pense que c'est dur, mec! Bon, vas-y, Nubia, au revoir! Ah! J'ai fait un coup sûr. Okay. Je sais pas ce que ça. Ok. Ok, j'ai eu un point là. Ce jeu impossible. Ok. En vrai, c'est lui Lisa. En vrai, je sais pas si c'est un jeu impossible ou si je suis nul en fait. Après, Nubia, elle me fait des balles espiègles. Ah ouais, mais en plus, il l'a chopé quoi, même quand j'arrive à l'envoyer bien. Mais non. Mais Nubia. J'ai rien fait. Quelle indignité. Ok, ok, on a rigolé. Maintenant, c'est toi qui vas rigoler. Non, mais, non mais moi je suis trop nul. C'est quoi la touche pour taper? C'est A. Voilà. Ok, c'est X, pardon. Okay. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un peu flippé ou pas là? Laisse-moi tranquille. Oh ok. Oui, je sais, Kato, mais pas en tant que batteur. C'est ça que Nubia se disait du coup. Non, Nubia, elle est trop forte en fait. Jésus. Oh putain, l'enfoiré. Avec sa balle lente. Oh putain. Ouf. Elle était rapide, hein. Ouais. Oh le bâtard. T'as fait un coup sûr. J'ai Nubia. Nubia, elle a l'air vraiment balèze sur le jeu. Y'a rien à dire. Je crois, Lisa, je crois. Merde. Salut le Lucom. Non, j'avoue que Lucom, bien bienvenue. Retrait. Oh shit. Mais oh l'enfoiré avec sa balle lente. Ah, il a fait une balle lente. La balle lente, elle est horrible parce que les balles, elles sont tellement rapides en fait. En fait, quand je te mets des balles rapides, t'es trop forte en fait. Faut que j'arrête de faire ça, Bonne. Quelle indignité. Un partout. Ok, un partout pour le moment. Elle a fait un triple newbie. Oh bah là je suis mort. Et de 2. Et de 3. Allez. Ah je suis désolé le logom, y'a rien qui s'est affiché. N'hésite pas à quitter le stream et à revenir tout de suite le logom. Pour ça te demandera si tu veux l'afficher. Mais oui. Merci à toi le logom, on va te remercier de toute façon, t'inquiète. Non. En fait t'es trop forte au baseball, tu t'es entraîné quand? Et merci beaucoup le locom, max de GG dans le chat pour le locom. Et plus de GG pour le locom. Merci infiniment le locom. Merci beaucoup pour le locom. Merci beaucoup. 3 mois consécutifs, c'est énorme le locom. Merci beaucoup à toi. Et triple, oui. Merci le locom, merci infiniment. Je crois que tu vois, c'est le signe que les US ils m'aiment bien. Je te démonte au baseball. Merci beaucoup Lulucom en tout cas. On n'a pas fait l'event du mariage encore, enfin pas moi en tout cas. J'ai pas fait le 7ème jour de l'event du mariage, je vous attends pour le faire parce que je sais que le 7ème jour, il se passe des trucs sympas. Ah c'est que c'est cool. Bah là je suis en sueur de ouf là. Oh ça c'était une manche. Ouais. Ok les gars. Okay. Vas-y maintenant, de toute façon je suis un professionnel. Putain l'enflure. Qu'est-ce qu'il y a Nubi? T'as été joueuse de baseball dans une autre vie, je ne sais point. Regarde le petit triplé que je viens de faire là. Tu vas pas me refaire la même quand même. Essaye de faire Fire-Satan, on va très très bien avec toi. Oh, t'as de la chance, t'as de la chance. Salut Fire-Satan, on va très bien et toi, comment vas-tu? C'était une fausse balle, ça, Bode. Oh, le rebond. Y'a pas censé avoir cette machine au milieu là d'habitude. De quoi? La machine qui a fait rebondir la balle. Ah. Ouais, je pense que c'est une histoire de match, je suis d'accord, Anna. Ouais. Totalement d'accord. Tu m'en veux pas si j'ai marqué un deuxième point. Hein. En vrai, t'as 5 points. Je t'en veux pas parce que de toute façon, un jour, tu devrais m'offrir une batte de baseball. C'est vrai. Oh. Elle dit ça en mettant sa balle lente, là.
Elle dit ça en mettant sa balle lente, elle abuse tellement. Tu veux quoi, Lelecom? Noumi, mets un coup de batte à Noob. Non, je mets des coups de batte qu'aux gens qui le méritent vraiment. Oh! Noumi, t'abuses grave. Non. Je suis quelqu'un de qui abuse pas du tout. Retrait. Allez, regarde, mon batteur a tiré. Il a été retiré apparemment. Il était pas assez bon. Ouais, je pense que c'est le batteur. Hein. Ah, tu veux le jeu, Lelecom? Il y en a plusieurs qui l'ont pris dans le chat là. Y'a qui dans le chat qui a pris le jeu en vrai? Y'a qui est tenté de prendre le jeu? Du coup, j'étais nickel. Putain, je fais tellement déjà plus malin là. Retrait. J'ai fait un point. Toi, tu as pris Vimix. Lelecom, toi, tu vas le prendre sur Instant Gaming. En vrai, je comprends. Non, mais... Moi, je l'ai, je joue en ligne. Ok, Matrix. Oh le bâtard. Qu'est-ce qu'il y a, Nubi? Le jeu sur Instant Gaming, vous devriez l'avoir pour 40 balles. Hein. Oh ah oui, je comprends, Flore. Et je comprends, Nao. Oh mon dieu. Alors, Nubi? Voilà. Ça te fait rire. Regardez comment Nubi a dit. Ok, je comprends. Non, mais c'est cool, il y a les avis qui divergent là-dessus, c'est plutôt cool. Hein. La flure. Oh, attends, je me venge maintenant. Hein. J'ai compris comment tu joues à Nubi. Hein. Bah, en vrai, il y en a 51 de jeux master. Hein. Oh. Un double, ok. Mais après, c'est toujours un jeu où faut jouer à plusieurs, quoi, pas tout seul, ça c'est évident. Coup sûr. Oh, mais comment je peux battre Nubi là, les gars? Nubi, elle est déjà à 6 points. Ah, shit. Oh shit. Salut Tetsu. Coucou Tetsu. Mais surtout qu'il y a vraiment plein de jeux différents. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose de cool quand même. Ça manquait un petit peu. Mais quoi? Mais j'étais bien dessus. Oh, je vais les tarter moi. Nubi, tu vas faire une balle rapide. C'était sûr. J'ai lu dans ton regard. J'ai lu dans ton regard, c'était sûr, Nubi. Putain, il a fait un triplé, merde. Shit. Tu vas m'impressionner ou pas? Tu m'as impressionné, Nubi. Vas-y, on voit. Non, pas le triple, non. Ouais, t'as de l'avance, Nubi. T'as de l'avance, Nubi, ne panique pas. C'est vrai que le triplé... Ne jamais sous-estimer son adversaire, jamais. Ça, c'est vrai. Ah oui, c'est largement mieux qu'un One to Switch, hein, ça c'est évident. Mais franchement, vacances de Noël avec tous les mini-jeux et tout à 4, ouais. Franchement, c'est méga cool. Hein. Franchement... Quoi? Mais je me mets bien tout ça pour ça. On n'a pas testé le bowling encore, les gars. Et on a testé. Oh. Et franchement, le home run il sort pas, Alissane. Ouais, le home run, je crois que c'est pas pour ce soir. Je crois qu'Alissane, tu crois trop en nous. Oh! On peut changer de place? Ah, les gars, maintenant c'est bon, je suis un génie. Je suis un génie. Home run! Mais. Fausse balle. Mais pourquoi? Je suis si mal positionné que ça? Moi je crois que Nubi t'as déjà gagné là. Faut tu tires avec le bout de la batte. Bah ouais je sais. C'est mal là. Retrait. Tu m'as tiré dessus. Deuxième retrait. Je sais pas ce que ça veut trop dire violence. Mais je sens que... T'as fait rire. Non. Je sais pas si on peut faire un home run avec une balle lente. Mais gros. Je sais pas, non, je pense qu'il faut qu'elle soit rapide pour que tu fasses un home run. Mon micro! Mais à quel moment j'ai pas touché là? J'étais dessus! Fin du match, allez, mais voilà. Je me souviens de ce jeu! Vous vous souvenez du jeu je ou pas? Je me souvenais de ce jeu où on a pas les personnalisés ça! C'était une catastrophe! Oh merde! Oh non! Football miniature, ah ça tu dirais rien ça, une partie de foot là. Mais non, mais le foot c'est nul, c'est le sport de la France en plus, laisse tomber. Oh. Le sport de la France. Ouais bah GG à Nubi hein, voilà, j'ai rien à dire de plus que ça. Oh non mais en plus il y a encore le marmot qui parle. Oh.
Oh, c'est un bordel. Oh, c'est un drôle. Bordel. T'as qu'à mieux défendre, Bibi. Quoi? C'est pas moi qui défends là. Non, non, mais c'est. Oh mon dieu. Bon, en gros, les gars, t'appuies sur toutes les touches et tu marques des buts. Je crois que c'est ça le but. Regardez, regarde Malice et Nubi, on a tout vu. Hein. Il n'y avait aucune règle. Ok. Aucune règle, pas de quartier, Nubi. Moi, je pense que tu devrais mettre ta manette comme ça. Là. Comme ça. Ok, frapper. Frapper à droite, c'est le bouton là. Et frapper en bas, c'est ça. Et déplacer, c'est ça. Mais c'est méga dur, mec. De quoi tu parles là? J'ai vu ce que tu viens de te prendre. Mais mec, j'ai l'impression de faire de la danse classique là, c'est un vrai. J'ai marqué un but. Non. Ah, salut chez Wam, j'espère que tu vas bien. Salut chez Wam, bienvenue. Tu sais, vu que tu es arrivé, tu peux pas faire la tournée, faut que t'attendes un tout petit peu chez Wam. T'imagines, tu joues à 4 à ça? Oh le bordel. Oh le bordel. Les gars. Mais c'est ça qui est drôle quoi. Il faut des jeux du fouloir hein. Mais non mais. Oh! Attends. Non! Oui. Voilà. Non. Mi-temps. T'as okay. De la chance. Oh, t'as de la chance hein, qu'il y a eu la mi-temps à ce moment-là. Merci Matix pour avoir dépensé les 5000 croquettes pour voir le casino. Et faites salut Antolin! Faites vos tickets les amis! Faites vos tickets! Salut Antolin, bienvenue! Il y a même la mi-temps les amis. Si c'est ça, c'est pas incroyable. Oh, mais c'est méga dur. Mais non, mais. T'inquiète, t'inquiète. J'arrive, je prends la balle. Non mais. Ok. Mais non mais. Oh c'est injouable. Il y a des gens qui ont ce vrai jeu IRL et qui aiment jouer à ça. Ouais je pense. Je sais pas si ça existe en vrai ça, comme ça. J'en sais rien, mais je suis sûr que c'est inspiré d'un truc vrai mec. Moon, arrête de la mettre là-bas, laisse-moi marquer. En vrai les gars. Oh je suis trop dingue. C'est pas normal ça. Le casino referme ses portes, salut Lucille. NT2 est celui qui a gagné le plus de croquettes avec 17 000 et Anao est celle qui a perdu le plus de croquettes avec moins 90 000, je suis désolé Anao. Oh, j'avais pas vu ça jouer. Et tu me dis pas. Mais je suis tellement nulle que j'ai même pas réussi à marquer alors que tu jouais pas. D'ailleurs mais... merci à Lolocom qui a été le 65e sub. Merci sur 65 les gars, ça vous fait une roue des croquettes les amis. Merci à toi Lolocom. Merci. Du coup on claque la roue les amis. C'est parti. La roue de croquettes. Combien est-ce que ça va être? Tu penses que ça va être combien toi honnêtement Bob? Je sais pas, moi je vois pas, t'as caché. Ça va être 100 croquettes les 100 amis. 100 croquettes pour tout le monde. Et il y a 4 aussi qui a récupéré une roue des une croquettes. Roue des croquettes. Fois 10 Fois 10 les gars. Fois 10 les gars. Mais si, c'est déjà bien le com. Attendez les gars. Pour une roue des croquettes x10. Non, tu fais quoi? Non, non, c'est tout. Je le vois trifouiller sur X-Split. Est-ce que t'es prête pour la roue des croquettes x10? Vas-y. Atola a fait distribution de croquettes par Google Home. Attendez, on va regarder ça du coup. Parce qu'on fait dans l'ordre, bien évidemment. Ok, distribution de croquettes par Google Home, vas-y, Nubi. Bah, déjà. Ok, Google. Donne-moi un chiffre entre 1 et 1000. Voici un nombre au hasard, 739. 739. Ouh, 739 croquettes. Bah du coup, ça vous fait déjà 839 croquettes. GG. Mais du coup, il y a une roue des croquettes x10, celle de 4C, les amis. Vous êtes Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un peu de stress, c'est vrai. Mais c'est parti. Déjà bon. C'est qui le patron? Du coup les gars,
pense que vous l'avez compris, je pense que vous êtes très fort à ce jeu-là. Kate aussi va vous faire gagner 10 000 croquettes. 10 000. Donc ça vous fait du coup 10 839 croquettes. Bon, les gars, gros GG à tous. Et GG Kate aussi avec ses 10 000 Goombo Points. C'était nice, hein. Franchement, quand ça tombe sur 1000 comme ça. Il n'y a pas mieux. Y a donc pas les mieux. Gars, on ne peut pas gagner plus avec 10 000 croquettes. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé le jeu du football miniature. Sachant que Nubi, tu m'as encore battu, hein. Est-ce que tu veux qu'on essaie... Non, tu me disais le bowling c'est compliqué, hein. Ouais, est-ce avec que le ça va être galère. Ok, ok. Et le poker, je voulais répondre à Valériane. Le poker, on sait pas y jouer, Valériane. Bah, j'ai déjà joué au poker, mais bah, j'y ai déjà joué aussi, mais ça fait trop longtemps, je me souviens plus des règles. Est-ce que tu veux qu'on joue à Couleur Mystère? Tu connais ou pas? C'est ouais. Mastermind. Samedi, ouais. Ouais. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas mais joué moi à aussi, ça. Mais moi aussi, j'avais 8 ans quand j'ai joué à ça. Vous connaissez, hein, vous connaissez forcément. Oh non. Ouais, ça te dit le nombre de bien placés et ceux qui sont pas bien placés, c'est ça, je crois. Ah, Blue, elle a récupéré une roue des croquettes x3. Ok, on fait ça juste après. Y'a pas de soucis après le mini-jeu. Merci, Lulu. Vous gérez. Bon, on écoute quand même, hein, parce que voilà. Une fiche brune indique qu'une des couleurs est correcte et à la bonne position. Ouais. Jusque-là, je te suis. Je t'en suis. Une fiche blanche indique qu'un pion est de la bonne couleur, mais pas bien placé. Ah ouais. Donc ici, on a les 4 bonnes couleurs, mais 2 seulement sont à la bonne place. C'est la Sky. Exactement. Bon, mettons que ce soit le rouge qui est au bon endroit. Ok. Ouais, c'est vraiment un jeu de déduction, quoi. Et comment on va faire pour jouer à deux à ce jeu-là? Je sais pas trop. Je sais pas. Si, parce que tu connais pas mon truc. Et... Enfin, je connais pas mon truc et tu connais pas ton truc. Bon, essayons en inversant des couleurs. Parce que là, oui, on peut rien déduire et après, tu peux voir en inversant deux couleurs, par exemple, quelle est dans la bonne position, quoi. Voilà, t'en as inversé que deux. Non, tout a été inversé. Oh, je suis perdu. Bon, en même temps, oui, là, c'est cool. Pas compliqué. Regarde. Bon, je pense qu'on a compris, les gars. Est-ce que t'es chaud, Nubi? Ouais, mais ça va être galère. Faut qu'on soit ensemble, pas l'un contre l'autre. Bah, on est contre. Oh, fiche. Non, en vrai, c'est pas vraiment contre, mais il faut trouver la combinaison, c'est ça le but, quoi. Je sais pas si on est vraiment contre. C'est chacun notre tour. C'est chacun notre tour. Ok, bon. Ah, mais du coup, on est ensemble pour trouver la combinaison. Bah oui. Ok, les gars, c'est cool parce qu'on est en coop. Ok, moi, je vais mettre du bleu, du rouge, du vert et du jaune. C'est pas du tout original. Vas-y, ok. Mais voilà. Ok. Deux bien placés, une bonne couleur. Ok, donc là... Parce okay. que toi, tu, du coup, franchement, on a déjà 3 bonnes couleurs. Donc franchement, c'est vraiment pas mal déjà, honnêtement. Du coup, le mieux, c'est que tu changes deux couleurs, je pense, et que tu vois si on a encore les deux bonnes couleurs ou pas. Donc par exemple, tu peux inverser le bleu avec le vert, par exemple. Donc là, je mets le vert. Ouais, par exemple. Là, je mets quoi? Le rouge. Tu veux que je laisse le rouge au même endroit? Bah, on peut essayer, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Là, le bleu et puis le jaune, quoi. Là, on a inversé deux couleurs. Il y en a forcément un qui est pas la bonne couleur. Faut tester un autre pour savoir quelle couleur c'est. Ouais, mais le rose, tiens. Vas-y. Hey, j'espère que tu vas bien, Luana. T'inquiète. Coucou, Luana. Repose-toi. C'est très important, Luana. Repose-toi. Prends soin de toi, ma belle, ok? Ok. Prends donc... bien soin de toi. Tout va bien ici. On pense très fort à toi, Luana. On pense très, très fort à toi. On pense très fort à toi. Courage à toi, ma belle. On t'aime fort. Bon, du coup, là, les gars, ça veut dire ce que ça veut dire le jaune. Déjà, on a une bonne couleur en moins et on en a un bien un placé en moins. Donc, moi, je vais essayer de mettre le jaune au bout, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Pourquoi tu penses qu'on a une bonne couleur en moins? Bah, parce que là, on en avait 4. Ah non. Oui! Ah, t'as raison! On a enlevé le jaune et en fait, on n'a pas changé la couleur. Donc, en gros, il n'y a pas de rose. C'est pas de jaune, je pense que c'est le blanc, du coup. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a du blanc. Du coup, on en a changé qu'un. Et du coup, ça a changé. Donc, le bleu était au bon endroit. Pour moi, hein. Ouais. Ok? Et du coup, ensuite, je vais mettre vert et ensuite rouge. Vas-y. Ça te dit? Vas-y. On est trop des boss! Bonne couleur. C'est abusé! Ok, ok, ok. Donc là, okay. On a tous... Ah mais non! Le bah, rouge, on a toutes les bien couleurs, placé. Là, on a toutes les couleurs. Donc. Déjà, c'est... Ouais, mais je comprends pas le jeu. Bah, du coup, on s'est fail. Parce que du coup, le bleu, c'était celui qui était pas bien placé. Donc le rouge était bien placé et le vert aussi. Le vert est bien placé, donc en le, haut. Le vert c'est en haut, le rouge c'est là. Non, non, le vert n'est pas bien placé, le vert doit être en bas.
Le vert est en bas. Le vert est en bas. Tout en bas. Hein. Attends, je réfléchis. Mais ça n'a pas de logique ce que non, tu dis. Non, oui, t'as raison. Le vert, il était en bas. Oh, là. Je vais tuer. Oh, je m'emmène les pinceaux. T'inquiète. Non, mais je m'emmène les pinceaux. Bon, on le refait. Attends. On le refait. Ok. Le vert, ok. Tout en haut. Non, le deuxième, c'est rouge. On se comprend pas, gars. Non, le rouge. Regarde, quand. Le rouge, quand on l'a déplacé, on a perdu une bonne couleur. Alors que c'est le rouge qui avait pas bougé. Donc le rouge, il est au bon endroit, ok. Quand. Sur toute à gauche. On avait deux bonnes couleurs. Le vert, moi je pense qu'il est en bas là. Ouais, le vert il est ici. Le bleu il est tout en bas. Mmh. Et le blanc il est tout en haut. Voilà, moi je dis que c'est ça. C'est ça. Mais voilà. Mais voilà. Oh mon dieu. Jésus. Quoi? Oh, c'est toi qui as gagné du coup. C'est moi qui donne la solution du pire. Bon, en vrai, tu l'avais. Voilà, en vrai, mais tu l'avais en vrai. Bah oui, mais c'est juste pour s'emmêler les pinceaux. Salut, bah, Jay. Mais tu vois, juste ce jeu-là, si t'aimes bien, tu peux enchaîner plusieurs parties, ouais. Ça te fait un bon petit moment, quoi. Regardez, il y a puissance 4. Oui, t'es forte au puissance 4. Hier, j'ai joué en ligne au puissance 4 et je me suis fait défoncer. Défoncé de ouf. Bon, on connaît puissance 4. Tu connais les règles, Boone? Oui. Merci Jake pour le follow. Merci Jake pour ton follow, ça fait très plaisir. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Noobshé, oh, vous exagérez. Mais du coup, Mastermind, c'est vrai, on a été plutôt fort, on a trouvé rapidement. Hein. Le jeu est super cool, bah, je trouve qu'il y a plutôt des bons trucs. Bon, du coup, je commence. Oh, je me suis vraiment fait rétamer hier avec ce jeu-là. Pas de soucis, Jake, ça nous fait plaisir. J'ai essayé de faire la stratégie de merde. Ah, oh, je comprends Sky en vrai. Un super jeu pour jouer entre amis, vacances. Je suis totalement d'accord, Mathis. Oui. Surtout qu'on peut jouer à 4 en local et tu peux jouer en ligne. Tu peux jouer en ligne. Et avec plusieurs Switch aussi. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit possible. Moi non plus. On va jouer à plein de jeux Dark Mouton, mais on découvre, je t'avoue. Là, on découvre totalement. On a très très peu joué. Hein. J'ai pas de stratégie sur le puissance 4, c'est ça mon souci, je pense. Je saurais pas quoi faire comme stratégie en fait. Je vis le petit sourire qu'elle fait, elle me tue. Je pouvais faire 2 puissance 4 à 2 endroits avec cette seule pièce. Match avec des calculs et tout. Ah, c'est vrai? C'est vrai, Lisa? J'adore la musique. Bah, j'espère que vous en jouez à la musique. Hein. Écoutez, vous savez ce qu'on dit, c'est nous qui régalons. Hein. Avec un peu de chance, elle est pas copyright, donc on en profite un petit peu quoi. Quoi? Tu m'as bloqué. Oh putain, il me tue ce mec. Tu l'avais vu que tu m'avais bloqué? Oui, mais c'est juste que je m'attendais pas à ta réaction. On dirait de la musique de Bob l'éponge. Je suis d'accord. Et Flore, c'est cool si t'as aucun décalage. C'est YOLO votre jeu. Bah quoi, il y a une stratégie à puissance 4? Dites-le un peu votre expérience là. Salut Marion, j'espère que tu vas bien. Moi je suis trop nul les gars, j'ai dû jouer 3 fois dans toute ma vie à ce jeu. Non, moi je me bloque pas juste. Hein. Moi je bloque pas juste, hein. En vrai. GG Matix. Oui, perso j'ai une stratégie. Ah ouais, genre vous êtes des pros du puissance 4 en fait.
Vous voyez avec quoi je jouais, moi? Vous voyez là? Oh, oui, toujours des stratégies au jeu. Ah ouais, vous êtes trop fort en fait. Ah ouais, c'est méga strat. Ah ouais. Là, c'est juste que je flippe, les gars. Parce que Nubie, je la connais, elle est trop forte. Du coup, regardez comment elle est concentrée. C'est pas n'importe quel visage qu'elle fait. J'essaye de me concentrer, mais j'y ai pas assez joué pour être. T'inquiète, assez t'inquiète. Moi aussi, moi je me suis fait défoncer en ligne tout le temps, t'inquiète. Hein. Oh merde. C'est chaud. Non mais c'est chaud sa mère parce que Nubie, elle, mine de rien, elle essaie de me brain de ouf, je le vois. Je vois que Nubie essaie de me brain de ouf là. C'est dur. C'est vrai Fire. Mais la folie fait partie des moments de rigolade de la vie quoi. Oh mais je suis trop con. Mais oh putain de merde. Mais j'étais concentré parce que en fait il y a un endroit sur sa ligne, je sais pas si vous avez vu, mais en vrai t'aurais pu te provoquer un truc qui fait que j'étais obligé de te bloquer et que t'avais un puissance 4. Ah non j'ai pas vu. Parce qu'en fait t'avais 3 comme ça. Je pouvais mettre ma pièce. La victoire. Mais non mais là où tu voulais poser elle pouvait faire diagonale. Mais oui exactement Kato. Du coup bon bah voilà. Nubie elle me défonce à tous les jeux. Mais pourquoi les gars j'aime pas les jeux de société? Moi je vais vous le dire pourquoi les gars. Mais il dit ça alors que c'est moi qui les aime pas. Pourquoi j'aime pas les jeux les gars? Moi j'aide Nubie, elle vole mes points. Déjà de 1. Et en plus Nubie elle me bat à tous les jeux. Moi je lui dis ah Nubie ah vous t'as fait exprès. C'est bien pas sûr. Parce qu'il dit mauvais perdant. Faut savoir les gars, vous savez ce qui se passe les gars? Il faut savoir. Vous voulez savoir ce qui se passe? Nubie à chaque fois qu'on joue à Mario Kart il est en mode sniff sniff Nubie il m'a jamais gagné. Donc qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Non pas du tout les gars. Mais par contre je suis pas mauvais perdant les gars. J'ai juste dit que bah que j'étais nul en fait. C'est tout. Ok ok. Je sais pas, ça c'est un jeu de stratégie très ancien. Ça a l'air trop beau mais ouais, ça a l'air comme les billes à l'époque. Super compliqué. Vas-y. Je connais pas du tout. Mec je connais pas du moi tout. Moi non plus. Putain voilà. C'est trop bien. Est-ce qu'on appelle un jeu de semaille? J'espère que vous avez kiffé le puissance 4. Ouais, je sais pas ce qui se passe, gros. On prend des graines et on les sème dans les trous suivants. C'est toi qui choisis dans lequel de tes trous tu vas prendre les graines pour les semer. Ok. Ok. C'est vrai, Jake, c'est bien ou pas? Ces 6 trous sont à moi, c'est ça? J'imagine que oui, vu que tu kiffes. Et ton but est d'accumuler un maximum de graines dans ta réserve. La réserve, c'est le truc au fond, oui. Ah, je vois. Au cas où il y aurait une famine. Il y a une autre chose à savoir. Quoi donc? Si ta dernière graine tombe dans un trou vide, tu peux faire ce qu'on appelle une récolte. D'accord, donc faut essayer d'avoir les trous vides alors. Donc, toc, toc, toc. Ok. Merci beaucoup, Fleur. Merci, Fleur, d'avoir offert un abonnement à Matofu. Merci beaucoup. Un max de GG dans le chat pour Fleur. Merci, merci Fleur, beaucoup, c'est super Fleur, généreux. Pour Matofu, les gars, max de GG pour Fleur. Merci beaucoup à toi. Plus une seule graine dans ses trous. Ok. Je crois que j'ai à peu près compris. Tu crois? Je merci sais. Beaucoup, Fleur, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à toi. Mais en vrai, le jeu, il a vraiment un potentiel quand même en famille, entre amis et tout quand même. Oui. Salut Jumper. Salut Jumper Fou, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Mais du coup, le but c'est d'avoir un max de trucs dans sa réserve. Oui. Et quand t'as un truc vide, tu peux faire ce qu'ils appellent une récolte. Et c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai oublié. Chacun votre tour, placez des graines dans les trous. Celui qui termine avec le plus de graines dans sa réserve l'emporte, ok? Ok. Ok. Prenez mais on a le droit de mettre des graines que dans nos trous à nous. Ouais, prenez toutes les graines, okay. Je pense. Hein. Attends, je relis. Hein. Prenez toutes les graines d'un trou situé de votre côté du plateau et déposez-les dans les trous suivants au sens inverse des écus du monde. Chaque trou reçoit une graine. Donc c'est une graine par trou. Ouais. Repose-toi bien, Jumper. Quand vous semez, la réserve reçoit aussi une graine, à la star des autres trous du plateau. Donc on... Attends.
On dépose dans la réserve du gars en fait, aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Ok, je comprends. La partie se termine dès qu'un joueur a vidé tous les trous situés de son côté. Si la dernière graine de votre main tombe dans votre réserve, vous rejouez aussitôt. Ok, donc si t'arrives à calculer que ta graine, tu la poses dans ta réserve, tu peux rejouer. Si la dernière graine de votre main tombe dans un trou vide de votre côté, ok, donc dans un trou vide, prenez cette graine et toutes celles du trou opposé en face et tu les mets dans ta réserve. Si votre adversaire n'a plus de graine dans les trous, la partie est terminée. Alors, j'ai pas tout compris. Clairement, il y a des trucs. On va tester, les gars. Faites en sorte que votre adversaire n'ait pas de trou vide de son côté, parce que sinon il peut te voler tes trucs en face. Okay. Donc faut pas hésiter. En fait, c'est pour ça que tu lui mets des pions pour pas qu'il ait de trucs vides, parce que sinon il te nique en fait. Et faites en sorte que le trou situé juste avant votre réserve. Alors, faites en sorte que le trou situé juste avant votre réserve ne contienne qu'une graine pour obtenir facilement un tour bonus. Ok. Ok. Mais merci beaucoup, Flore. Merci, Flore, les amis. Vous pourrez remercier Flore qui a transformé son Twitch Prime en abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Je sais pas, le GIF peut pas s'afficher. Je suis désolée parce que le GIF ne s'affiche pas pour ce truc-là. Mais merci beaucoup, attends, Flore. Ça fait grave plaisir. Je vais réafficher ton autre GIF parce que c'est pas rien quand même. Attends. Voilà. Même si ça marque moi tout fou, c'est toi qui l'as fait. Merci beaucoup, Flore, les gars. Merci, Flore. Voilà, il faut remercier les amis. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Ok, donc en fait, ah oui, regarde, tu vois, c'est comme une indication où est-ce que ça finit. Donc moi, si je comprends bien, l'objectif, c'est que je finis dans ma réserve, comme ça. Si je finis dans ma réserve, je peux rejouer. Je crois. Voilà. Et là, j'ai un tour bonus. Et là, vu que j'ai un truc vide, si j'arrive à déposer une graine dedans, je te vole tes trucs en face. C'est ça? Comment je fais pour arriver dans ton côté du plateau là? Là, t'arriveras sur mon côté. Ah oui, c'est toi qui vas déposer une graine de mon côté en fait. En fait, il faut que je te force à mettre une graine de mon côté. Bah, je crois que c'est ça. Ou bien que j'ai. Il faut que j'ai que deux pépites. Oh mon dieu, c'est ok. Normal. Non, c'est très bien. Mais en tout cas, fort, vraiment. Le plateau est super beau. Ouais, hein. Et puis les billes sont trop belles. Ok, bon, du coup, stratégiquement, je sais pas trop quoi en faire encore, mais vas-y. Voilà, j'en ai deux dans ma réserve. Merci beaucoup, Flore. C'est très gentil de ta part, vraiment. Ça nous touche beaucoup. Merci à vous tous. Hein. Okay. Donc, il faut tout faire ensuite pour que les graines ne tombent pas dans le truc d'en face, sinon ils te volent toutes tes graines. Donc moi, faut justement pas que j'en mette dans tes trucs vides. C'est ouais, ça? C'est ça, exactement. Okay. Je suis en train d'aider newbies, les gars, parce que je suis un peu un gentleman. Je sais pas si vous le saviez. Vous saviez pas que c'était. Et merci pour le follow, une fleur de cerisier. Merci beaucoup à toi. Merci, une fleur de cerisier. Moi aussi. Mais le jeu est super sympa. Hein, j'ai l'impression. Il est très beau. Il est très beau et puis ça a l'air super sympa à jouer comme ça. Ok, donc du coup, là, du coup, ça fait que je rajoute des trucs dans mon machin. Donc là, ça peut être stratégique parce que si je fais ça, du coup, ça fait plusieurs caisses bleues, qui fait que ça va te faire chier, quoi. Donc là, si je fais ça, je mets un peu dans mes trucs. Ah oui, et là, du coup, vu que je mettais mes graines dedans, je pouvais te voler des trucs. Non. Non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à te voler tes trucs. Là, c'est toi qui joues. Attends, mais j'ai mis une graine dans un truc vide. Pourquoi je vais pas voler ces trucs en face? Bon, je suis encore en train d'essayer de comprendre. Si vous connaissez le jeu par cœur, n'hésitez pas à nous donner vos infos. Je réfléchis, mais attends. Si moi, ça tombe dans ton truc... Logiquement, je te vole les trucs d'en face. Logiquement. Ok. Non! Je pouvais annuler ma dernière action si je voulais. Mais t'as craqué? T'as craqué. Bon, de toute façon, essaye. Hein. Il faut qu'on teste hein, pour essayer de comprendre. Non, je veux pas perdre! Il est trop mignon, lui! Qu'est-ce qu'il y a, Duby? Ok. Et d'ailleurs, Fritter, est-ce que tu pourrais nous afficher le classement histoire qu'on vous remercie, les amis? Ok, donc si je fais ça, là, je file dans ma réserve. Et du coup, je peux rejouer. Donc là... Oh, attends, il y a écrit récolte là. Parce que j'arrive jusqu'au bout. Attends, je teste. Hein. Récolte. Je comprends rien, je croyais que c'était moi qui devais mettre dans ton truc pour que tu récoltes. Non, j'ai mis dans mon truc, mais j'ai fait un tour complet. Ok. Ah, merci beaucoup, Linkio.
Merci beaucoup Fritter. J'en profite pour remercier. Il faut finir le tour dans une case vide. Ah oui, c'est pas passé par une case vide. Il faut finir son tour dans la case vide. Du coup, je comprends. Mais du coup, t'as vu, ça t'indique quand tu fais une récolte, hein. Donc ça peut être méga stratégique en fait. Là, du coup, vu qu'on est assisté, tu peux le voir quand tu fais une récolte. Merci à Fritter, Kato, Anao, Chim, le petit geek, Yop, Alissan, Ouzou et Matix, vous êtes premier du classement. Merci à Flore qui est deuxième. Et merci à Vimix, Matoufou, Gizfox, Adam, Games d'être dans le top 3. Et merci à Tetsu, Lulu, Linkian, Ch'ti Voyageur, Valerian, Lumina, Sky, GK, Fabio, Dark Moto, Foxy, Sina, Velotour. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Merci même à ceux qui sont en train de silencieux, les amis. Merci infiniment. Regarde, par exemple, là, Bouik, je peux te récolter parce que là, je finis mon truc en face de toi. Donc du coup je peux te voler une bille. Je sais pas si c'est worse. De toute façon au stade où on en est je crois que t'as gagné gars. Pourquoi tu dis ça? Bah t'as vu ta réserve, t'as vu la mienne? Bah c'est pas fini Boud hein. Récolte. T'en penses quoi du jeu? Vous en pensez quoi du jeu le Mancala pour ceux qui connaissaient pas et ceux qui connaissent? T'en penses quoi toi Boud? Ça me casse les couilles parce que récolte. Ah oui, tu peux récolter ça. Il a l'air dur à prendre en main. Je pense qu'il faut que tu connais bien Kato, ça va. Déjà, t'as ton petit tour bonus là. Ouais, mais ça sert à rien là. J'ai envie d'y jouer, mais grave. Moi aussi, Anao, je trouve ça cool. Nubi, là, rage parce qu'elle perd et qu'elle gagne tout depuis tout à l'heure. Mais... Non, en vrai, t'aimes bien Boon, le concept. Le concept ouais, est cool, si, je le trouve. Le concept est cool. Donc là, si je fais ça, là, je te donne plein de billes en vrai. Mais pourquoi? Oh, si, j'ai parce compris. Qu'ici, parce que je finis ici. Oui, j'ai compris, c'est bon. Mais regarde, tu viens ici, tu récoltes ton sbi, c'est bon, t'as fini. Hein. Récolte. Allez, file-moi ta bille là. Mais tu vois, là, c'est pas bon stratégiquement ce que je fais. Parce que du coup, je te mets des trucs vides. Je trouve que c'est pas mal, rien. Je comprends pas tout, mais ça a l'air cool, je comprends. Vous êtes trop fort. Allez, regarde comment tu me vis tout. Salut Shaikendo, ouais, j'espère que tu vas bien. Je t'ai volé une bille. Salut Shaikendo. Quoi, tu vas faire le coup, c'est pas suffisant? Regarde, bon bah écoute, regarde, là je suis obligé, du coup là, je te redonne plein de billes. Récolte. Et du coup l'avantage de ça, ah oui, du coup quand tu récoltes, tu mets direct dans ta réserve. Et du coup l'avantage de mon truc, c'est que t'as pas des trucs vides quoi. Est-ce qu'il faut faire au maximum, faut faire en sorte que l'adversaire n'ait pas de case vide parce que sinon il peut te récolter quoi. Mais oui, je pense avoir compris, mais j'aime bien le type du jeu. Comment tu vas chez Kendo en tout cas? Bah ouais, tu peux faire ça, le tour bonus il est trop bien. Les billes sont très jolies. Et tu vois, si là t'avais pas de billes, tu me volais cette bille là. Et regarde, t'en as 11 de ton côté maintenant. Bah ouais, mais... Là, faut que je les redistribue. Bah tu peux. Hein. Les billes sont extrêmement belles, je les adore. Bah écoute, c'est un jeu de société que je ne connaissais pas et que je trouve très cool. Hein. Et à jouer en ligne, ça peut être très sympa aussi. Hein. Ok. Ok. Donc tu vois là, vu que moi j'ai pas de truc vide, je peux pas. Bon de toute façon j'ai pas cette case. J'ai rien qui finit dans la réserve, je suis dégoûté. Voilà. Oh là t'as de la récolte là. Récolte. Parce que t'as plein de cases vides. Du coup toi, t'arrives et pouf t'en poche. Toi, t'as trop de cases vides là, je suis désolé Boud. Trop cool chez Kendo là. Bonjour, c'est question parce que j'adore ça. Vous lisez quoi comme petit livre? Nubi, elle est en train de lire des webtoons en ce moment. Des webtoons en ce moment. Mais ouais. Sinon, en termes de livres, c'est BD, manga et c'est tout, clairement. Sinon, ah, je suis d'accord. Je lis pas d'autres types de livres en particulier. Bah, je peux rien faire en fait. Hein. Bah, tu peux éparpiller tes billes. Pour te rapprocher de ta réserve. De toute façon, moi aussi, ça va te finir. Mais regarde, j'arrive. J'aurais jamais dû faire ça. Non, en vrai, j'ai pas beaucoup de trucs. Ouais, Nubi, elle s'est mise au webtoon, ouais. Ouais, tu peux déjà voler ça, c'est déjà cool. Hein. Attends. Récolte. Et du coup, là, c'est fini normalement. Et t'as gagné du coup. Non, t'as récupéré ça. Et franchement. Eh, hey, 8 de différence, c'est rien! Eh ben, Boud, franchement, je trouve que c'est un super jeu! Oui, t'en as pensé quoi? Je me suis mise!
Il était trop bien. Justement, Nubi, elle est en train de dire Let's Play, justement. Ouais, Let's Play. Bonne soirée, Fleur, bonne soirée, Antoine. Tu les as conseillés à Kato, je sais plus c'est lequel. Le Olympus, là. Le truc avec l'Olympe. Je surkiffe. J'adore la patte graphique, c'est trop bien. Bon, bah, les gars, du coup, Mancala. C'était vraiment cool, hein. Mancala, c'est cool. Yams, j'aime bien. Merci Lili Blue Azura pour le follow. Sur YouTube, merci beaucoup, c'est très gentil. Je te propose de jouer à un jeu un peu plus basique, Bonia. Les petits chevaux. Les petits chevaux, on pourrait le faire. Les échecs, je sais pas jouer du tout. Du tout non plus. Ah oui. Pour ces jeux-là, faut qu'on ait chacun sa propre conscience. Mais en fait, là, il y a un truc qui est trop bien. Si vous avez plusieurs Switch, en fait, ce que vous pouvez faire, les gars, c'est juste de télécharger le truc qui fait... Vous savez, comme c'était sur DS à l'époque, vous avez juste à télécharger un truc et en fait, vous pouvez jouer gratuitement avec les autres Switch sauf qu'ils aient acheté le jeu. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Oui, je le lis en ce moment, Anao. Bud, ça te va si on fait une bataille ou pas? C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de chance pur basé sur des duels de cartes. Vas-y. Ok, les gars, on fait un truc, on va faire un vote, on va en profiter. On va miser un peu les croquettes là-dessus, ok? Attendez, les gars. Double ou triple screen ultra wide sur PC portable. Alors là, Matix. Les gars, moi, j'ai pris un vote. Je te le dis, dans tout ce que tu m'as dit, Matix, le mieux c'est un PC fixe. Non, mais après. Les amis. Vous avez oublié l'arbre des croquettes x3, c'est vrai, on va le faire. C'est de Lulu en plus, je crois. Les amis, point d'exclamation, votez 1 pour Newbie. Point d'exclamation, votez 2 pour moi. Les gars, c'est un jeu de chance pure basé sur un duel de cartes. On va voir qui va gagner, les gars. C'est que de la chance. 1 pour Newbie, 2 pour moi. C'est pure chance, c'est juste de manière drôle, les gars. N'hésitez pas à voter. Je vois que vous votez tous pour Newbie. Les gars, j'ai la haine. Les gars, on va l'exploser. Je rigole, bien évidemment. 1 pour Nubi, 2 pour moi, les amis. Il est un peu dramatique dans sa manière. Tu te rappelles un peu comment ça marche la bataille ou pas? Pas trop, mais je crois me souvenir. Bon, en gros, je crois que c'est un système, il y a des cartes plus puissantes que d'autres, et puis voilà. Oh, mais par contre, t'as vu le Taiyuki là? Le logo? Le Takoyaki. Mais t'as vu le logo? Oui, j'ai vu c'est ça. C'est la tête de l'autre dans mais Animal c'est Crossing. C'est un Takoyaki. Ah, ouais, c'est un Taiyuki. Takoyaki, tu vas y arriver. J'ai voté avant de savoir, je veux pas de vue, tu perds tout le temps, Noob. Vous abusez grave. C'est un Marvin décapité, exactement. Donc n'hésitez pas à voter, on fera une roue des croquettes. Et d'ailleurs, on va vous faire la roue des croquettes x3. Oui, la roue des croquettes de Lulu. Parce que Lulu, elle a dit... Merde. Raté. Oh, mais Noob, mon c'est chat. Bon, t'inquiète, on a rien perdu. Il vient d'effacer mon chat. Je vais le tuer, t'es chiant. Je veux que tu me laisses, j'ai rien le setup. Bud, roue des merci croquettes x3. Merci pour l'host. Nathan, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Salut Katana, on espère que tu vas bien. Roue des croquettes x3, c'est parti. Lulu, Katana, est-ce que tu vas régaler ou pas? Ça va très bien, et toi, comment vas-tu? Roue des croquettes x3. Ah bah, je dis croquettes. Merci beaucoup, Lulu, ça va faire 30 croquettes pour vous, les gens. Oh, tournée de 30 croquettes, les amis. Merci beaucoup, Lulu. C'est violent. Merci Katana pour le follow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Katana, je suis vraiment désolé. Non, mais surtout que s'il y a bien un truc qu'il faut pas quitter, il y a deux trucs qu'il faut vraiment pas quitter. Quand je suis en live, il y a deux trucs qu'il faut vraiment pas quitter. Le premier c'est Split, le deuxième c'est le chat. Et Noob, il arrive toujours à en quitter un des deux. Moi, ça me fait plaisir de découvrir ces jeux, Bud, en vrai. La bataille. Ouais, bah tous ces jeux, ouais. On va faire la bataille. Du coup, vous avez tous voté ou pas, les gars? Donc j'ai dépensé 10 minutes de points de scène pour offrir 3 croquettes. C'est à peu près ça, Lulu. Ça s'appelle ne pas avoir de chance, ma chère Lulu. Et pourtant, je sais que tu en mérites de la chance après tout ce que tu traverses ces temps-ci. Mais tu n'en as pas eu. Je suis navrée. Sache, Lulu, que la vie peut vraiment être une... Voilà. Voilà. Mais on va faire un truc. Pour ceux qui ont voté, les amis, avec le post-scription vote, les gars, la roue des croquettes, elle sera x2. Parce que Lulu elle a pas de chance, ouais. Je veux quand même changer ça, ok les gars? On soutient, ouais. On soutient. Let's go! Ah bah écoute, je crois qu'ils ont tous voté. Donc attends, je vais clôturer les votes, je vais juste regarder un petit peu les résultats. Ok. 15 votes pour du coup toi et 9 pour moi. Ouais. Ok, franchement, je trouve que ça va, je trouve que c'est réglo. Donc du coup, t'es prête, Nubi? Oui! Bataille! Allez, c'est parti, on va voir. Pure chance, hein, Nubi. Salut Sunshine! Mais du coup voilà, salut, n'hésitez pas salut, d'ailleurs les gens, si vous kiffez le live et que vous n'êtes pas follow, n'hésitez pas à vous follow avec le petit cœur, c'est gratuit, ça nous permet de suivre les prochains lives et tout. Enfin voilà.
La plus haute l'emporte, ça, ok. De la bataille. Ok. Ça, je comprends. Mais il n'y a pas un truc avec le Joker. Il n'y a pas de Joker dans ces cartes-là, c'est ça. Là, c'est il prime surtout, on est ok. Et tu sais qu'il y a des cartes Nintendo, on les a pas débloquées encore, mais tu peux avoir des cartes Mario et tout. Oh, trop bien! Tes bons sentiments, on dirait trop Nubi quand elle va me battre. Abusé. Oh. J'adore le dieu Conflift. Ok. Ok. Finissez avec le plus de cartes possible. Ah, du coup, c'est du hasard, mais on en choisit quand même entre 3. Ouais. Ok, t'es prête? Allez, c'est bon. Oh, je vois Snake qui a lancé le jeu. Snake qui a le jeu, putain, du coup. Putain, t'as gagné. Allez, boum. Pardon. Allez, je gagne. Ah, la c'est bataille. Aïe, 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 aïe. Mais là, deux victoires de suite, hein, ils l'ont dit, Bouya. Putain, mais j'ai trop pas de chance. Trois victoires de suite, ils l'ont dit, Nubia. Ouais, je te crois, Lisa. Oh, tu m'as battu, oh, le roi, t'avais l'as, quoi. Oh, j'ai défoncé un roi. Mais t'inquiète, Mario, y'a pas de soucis. Nous, le but, c'est juste que vous kiffiez les lives, les amis, qu'on s'amuse ensemble. Égalité. Et que vous profitiez, tout ça, les gars, c'est tout. Ouais. Ah, bien joué. Gagné. Allez, j'emporte les cartes qui étaient en dessous aussi. Trop bien. Mmh, bien, comment ça va, des victoires d'affilée là? Aïe. Coup dur. Allez, Nubi, j'essaie de gagner, les gars, mais c'est du pur aléatoire. Les gars, c'est de la pure chance. C'est de la pure chance, c'est vrai. C'est de la pure chance. Allez, ça part. Mais en vrai, le As, quand je t'ai détrôné le roi, c'était quand même fou, ça. Ok. Bon, il ne reste plus qu'une carte. En vrai, je sais même pas qui a gagné, là. Ah, fini avec la même carte, excellent. Comment je peux être autant à fond sur un gameplay de bataille? Parce qu'Anéo, c'était un truc de fou. Bon, bah, les gars. C'est pas si grave si vous avez pas les croquettes, les gars. C'était qu'une roue des croquettes x2, les gars. C'est tellement bâtard. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On fait une revanche ou est-ce qu'on fait un autre jeu, Boud? On fait une revanche, les gars. Allez, vas-y. Improbable. Ok. Ah, je me disais aussi. Allez, on fait la revanche, vous inquiétez pas. Oh, oui, t'as utilisé un roi pour me défoncer un 2. Désolé, Nubi, mais là... Et tu dis tes grosses cartes. Mes grosses cartes, elles sortent tout de suite, c'est pas juste. Okay. Ça c'est pas mal ça. Bon, par contre, 3 victoires d'affilée, tu veux bien me laisser gagner un peu? Voilà. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ça c'est un bon truc. Égalité. C'est mal mélangé, calmez-vous, calmez-vous. Avec... Oh, ça c'est pas mal aussi. Aïe aïe aïe. Oh, l'as pour un 5, ça me fait un peu chier quand même. Le point 2, ça va. Ça commence à devenir compliqué. Aïe, 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 aïe. Ok, 4 victoires d'affilée, les gars. J'espère. Ah, bien joué. 8 points à 5, c'est bien, c'est bien. Normalement, il doit me rester des bonnes cartes encore. Aïe, 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 non. Est-ce que tu crois que c'est la fin pour toi ou pas? Oh, bien joué. Pas ça, encore. C'était très bien joué de ta part. C'est du pur hasard, mais je dis que c'est bien joué. Oh la vache, un 7 à 6. Bon, franchement, je sais pas. Toi. Oh, je suis désolé pour les 15 personnes qui avaient voté pour moi. Je suis navré. Nubi, franchement, ça s'est joué à très peu. Hein. Ça franchement, s'est t'as rien. Très bien joué. Ça s'est joué à rien. C'était si dur. Ah, 2 points. Ouais. 2 points, c'est vraiment peu. La roue de croquettes. x2. Hein. Allez, 2000. 2000. 2000. C'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure, Lulu.
Oui, Lulu, elle avait voté pour moi. Du coup, vous inquiétez pas, les autres, les gars, les autres, vous allez avoir les croquettes aussi, vous inquiétez pas. Mais un peu moins. Je vais vous laisser bonne soirée, c'était fun de découvrir ce jeu, de retrouver des vieux jeux de société, c'est cool Sky, ah, si ça t'a plu. Passe une bonne soirée cool. Sky, à la prochaine. Bonne soirée, de toute façon, normalement, on s'arrête pas dans trop longtemps, mais on joue encore avec des petits jeux et puis oui. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et peut-être qu'on en refera un bout d'un. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton avis général sur le truc? Moi, je trouve que c'est sympa en vrai. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. J'ai une question pour nous. Comment tu entretiens ta barbe? Ah, Fire Satan, j'attendais toujours qu'on me la pose cette question. Fire. Tu sais que je passe au moins 3 heures devant le miroir pour ma barbe. Personne m'en avait jamais parlé, Fire. Mais toi, tu l'as fait. Toi. Et toi, Fire. Personne d'autre! Fire, c'est de l'entretien. Oh. Noob est devenu un homme avec cette question. Si ça peut te rassurer, Katosé, il était un homme bien avant cela. Non, je le rase avec un rasoir. Il sait même pas. Si, mais il sait j'ai même oublié pas là. La marque. Mais si, Gillette là. Non, c'est même pas Gillette. C'est, si. Pas, Gillette. C'est pas Gillette. Oh putain, c'est quoi? C'est quoi mon rasoir? Je crois que c'est Wilkinson ton. Ouais, ah oui, Wilkinson les gars. Je rase ce truc là. Quand c'est un peu trop long, et puis voilà. C'est comme ça que j'entretiens ma barbe actuellement. Non, les gars, je suis pas un pro. Bon, du coup, ça fait 2000 croquettes pour ceux qui ont voté. 2, du coup. Et du coup, on a une règle, c'est toujours un quart pour les autres. Donc, du coup, on va faire... Bah, 500 croquettes, c'est pas mal, les gars. En vrai, 500 croquettes pour les autres. T'en penses quoi, toi? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est cool. C'est toujours mieux que 0, disons. Bon, allez, c'est bon pour vous. Supprimez votre. Allez, voilà. Vous avez reçu vos croquettes. 500 pour ceux qui ont voté pour Nubi, du coup. Je suis désolée. Moi, je trouve ça rigolo. Non, mais en vrai, t'as tout donné. C'est ça. Nous, t'as pas une barbe de ouf non plus, hein. Non, mais en vrai, je suis un blondinet. Les blondinets, les gars. Bah, il faut que ça pousse, hein, les gars. Il faut que ça pousse, hein. Nubi, je sais pas si vous avez, mais elle est en train d'avancer sur le jeu des papillons, là. Je suis en train de fermer mon event de papillons, les gars. Il reste 3 heures. Aussi. Il me reste 3 heures pour le faire. Est-ce qu'on finirait pas ça sur un golf, Bouddha? T'en penserais quoi, toi? Un golf? Ouais. Un golf. Ok. Vous nous direz à la fin du stream, les amis, quel est le mini-jeu que vous avez préféré? Bon, allez, j'ai envie de nous affronter là-dessus. T'es prête, Lupi, ou pas? Attends, presque. Le papillon. Bon bah voilà, on détermine la direction, on appuie, il s'agit de nombre qui... Ouais, il faut pas faire beaucoup de coups. Voilà. Si vous terminez un trou de par 3 en 2 coups, vous marquerez un score de moins 1 en lâchant en 4 coups votre score de plus 1. Il faut faire le score le plus petit. Oui, c'est sur le golf, ouais. C'est toujours comme ça. Attends, il y a des différents types de clubs de golf. Assurez-vous d'utiliser le meilleur club selon la distance qui vous sépare du trou. Mais quoi? Mais on s'y connaît pas du tout assez en golf. Putain de merde. Ces clubs de longue distance. Attends, Boud. Ça, c'est des clubs de longue distance. Attends, il faut que tu regardes bien. Ça, c'est longue distance. Ça, c'est pour frapper haut. Ça, c'est hauteur. Et ça, c'est proche. Ça, c'est haut. Et ça, c'est loin. Ok. Mais moi je voulais faire du mini golf, les gars, c'est ça qu'ils ont pas compris. Bah alors fais pas du golf peut-être. Ouais, les gars, un coup c'est un birdie, un eagle c'est 2 coups sous le par, et un albatros c'est 3 coups sous le par. Un albatros, les gars. Bon bah, Boy, t'es prête ou pas? Quasiment. Bon, du coup, je vous montre rapidement en attendant tous les jeux qu'il y a parce qu'il y a 51 jeux. C'est parti! Mancala, petit carré, Yams, 4 en ligne, couleur mystère, jeu du moulin, ex, dame, lièvre et chien, Gomoku, Domino's, dame chinoise, Ludo, backgammon, volte-face, échec, shogi, mini shogi, Anafuda, Mahjong japonais. Mahjong, c'est super cool, j'aime bien moi. Dernière carte, Blackjack, Texas, président, Domino's cartes, crapette rapide, jeu de paire, bataille. Taiyaki, queue de cochon, golf, Takoyaki, bowling, fléchette, carom, tennis miniature, football miniature, curling miniature, boxe miniature, baseball miniature, air hockey, circuit routier, pêche, tank en solo, tank en équipe, stand de tir, suite de 6, taquin, mahjong solitaire, solitaire, spider solitaire et piano. Oui, effectivement, Lulu, ben justement, il est là, tu peux faire un mahjong solitaire. Du coup, vous en pensez quoi? Le nombre de prisons que j'ai fait avec mes amis, toujours un bon bail, ça. Je suis d'accord, Anao.
Je suis d'accord, j'en ai fait aussi. Du coup, vous en pensez quoi, les gars? Uno a été traité sur la dernière carte. C'est vrai qu'il y a le Uno, du coup. Cette dernière carte, c'est ça? Mais c'est vrai qu'il y a le Uno, hein. Vous pouvez faire des Uno, hein. Attends, allez, il est où le Uno, là? Ouais, dernière carte, c'est le Uno. Donc, Uno! Celui qui dit pas dernière carte alors qu'il lui en reste une, il a un malus, hein. Le truc des temps qui était dans Wii Play, c'est vrai, je m'en rappelle. Non, mais en vrai, il y a quand même un bon nombre de jeux. Bon, du coup, je vais vous poser la question. Nubi, elle a bientôt fini. Mais du coup, la question, elle est simple. Est-ce que vous seriez prêt à prendre le jeu, vous? Est-ce que ça vous intéresse avec tous les jeux de société et tout? Tenterait. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à faire ça? Pourquoi ils ont pas mis Uno? Mais il y a Uno, justement, les gars. C'est celui-là, c'est... Mais, au niveau du nom, j'en sais rien. Ils ont sûrement pas les droits. Ah oui, c'est peut-être le nom, voilà. Bientôt les live échecs. Eh, je suis nul aux échecs. Les échecs, je suis trop nul, les gars. Mais tu vois, franchement, à jouer en multi, c'est vraiment cool, hein, franchement. Je sais déjà pris, je vous attends pour un billard, d'accord, Imix. Ouais, je sais, toi, Lickyok, c'est pas ton style de jeu. Bon, Boudou, là, je t'attends. Oui, bah, tu m'attendras moins longtemps quand tu me paieras un bon téléphone. Allez, viens, Nubi. Elle a fini. Attends, non, il est complètement en train de bugger. Ouais, je sais, le téléphone du Nubi, il est horrible, les gars. C'est de la merde, achetez pas chez Huawei. du coup, t'es prête ou pas? C'est prête. On fait un golf, là? On fait un golf. Les gars, je pense qu'on va se chier dessus. Mais moi, échec, j'ai jamais appris les règles. Hein. On me les a jamais appris. Non, mais juste sa manière de dire je vais te montrer comment enlever, il m'a énervé. Vas-y. On fait 3 trous, hein. C'est rapide, 3 trous, ok? Ok, vas-y. Ok. Donc, ça, attends. Au niveau des clubs, le putter, c'est. Ah oui, ah, mais c'est bien fait! Et, tu vois, il montre avec les distances en vrai. Ok. Démarrer le coup. Donc là, c'est la puissance. Ouais, j'ai fait un coup, mais nul. C'est à toi, là. C'est à moi. Ok, on joue chacun notre tour. J'aime bien, j'aime bien. Comment tu fais pour changer de club? Non, déjà, c'est comme ça encore. Quasiment 90% des jeux, c'est comme ça. Okay. Du coup, tu mets comme ça et t'appuies sur Y, tu vois, pour changer de club. Ok. Ouais, il y a du vent, mais oui, je l'avais pas vu à Nintendo. Je pense que je vais l'acheter, mais en vrai, je trouve que ça fait vraiment un bon jeu sur la Switch, quoi. En vrai, je trouve, hein. Je trouve que ça fait vraiment un bon jeu pour la Switch. Ah, j'ai tellement fort que toi. Tu bouges ma bille ou pas? Ok. Non. Ok, donc là c'est un peu trop. C'est encore à moi? Ouais, c'est à toi. Pourquoi? Peut-être parce que moi je suis tombé hors du terrain. Salut Paul Machette! Ah ouais, c'est cool, Anao, c'est cool. Les gars, elle a fait les gueules. Je connaissais pas ce que ça veut dire. Salut, bienvenue. Il y a un peu de vent, faut que je décale un peu comme ça. T'inquiète, moi aussi je vais faire les gueules. Hein. Wow. T'as failli. Oh, mais t'as failli. T'as vu, c'était trop stylé. Oui. Et ah oui, ça change tout seul. En fait, vous pouvez vraiment faire en sorte que ça soit assisté ou pas. Bon, par contre, je suis un peu deg du coup. Ah là, je m'attendais pas à ce niveau de puissance quand même. Ah, celui qui joue, c'est la balle qui est le plus loin du trou. D'accord. Après Noobie Girl, Noobie Girl. Ah, ça me fait rire, ça. Ça, j'aime bien. Noobie Girl, j'aime bien. Oh merde. Bon, je vous en pas. Les bigles sont des super chiens, donc ça va. Ça passe, disons. Ah, après, t'inquiète, dis-toi que c'est plus pour l'aigle, quoi, t'inquiète. Hein. Attends, t'es prêt. Le beagle. Merci, Valérie, pour la description de Croquette. Mais pourquoi du bien moins 2? Parce qu'elle a fait un super score. Faut avoir le score le moins grand au golf. Mais en vrai, Nubi, elle avait grave géré. Hein. Mais moi aussi, là, quasiment. Comment ça? Mais quoi? Non, j'ai fait moins de coups que toi. Bah oui, du coup, t'as un score plus faible. Bah oui. Oui. Bah alors, je gagne. Bah oui. Bah alors. Bah quoi? Bah je croyais que t'avais gagné. Regardez les gars comment je vais prendre l'avance sur Nubi là. Oh putain, c'était chaud sa mère. J'ai cru que t'allais finir dans la flotte en vrai. Wow. Faut mettre le moins de coups possible. Wow, ouais, driver c'est un peu loin. Ils sont dans une timeline inversée exactement. Du coup c'est la balle la plus loin qui joue alors. Ok. Pas mal Nubi.
Et par contre, là, comment je fais pour pas toucher ton truc? Si pas. Il y a un peu de vent, je sais pas si t'as remarqué, je vais en profiter. Mais pas quoi, côté en moins. Il pourrait faire comme au bowling. Ouais, mais après, vous me posez de ces questions, les gars, comme si j'étais un pro du golf là. Je vais pousser ton truc. Oh, j'y ai cru. Mais. Ah, je suis passé à travers. D'accord, je ne le savais pas. Je passe à travers. Bien joué. Score égal à 0, là, les gars. Parce qu'on l'a fait avec le bon nombre de coups. Donc pour le moment, Nubi gagne. Hein. Bah, je dirais même. Ah non, je crois que t'avais. Je crois que c'est le dernier terrain. Ok, ok. Fais gaffe, il y a un peu de vent, Boudin. Ah oui, d'accord, Matix, ok. Tu peux aller, genre là-bas? Ou ça t'intéresse pas? En fait, faut faire gaffe parce que tu peux faire un hors-piste, en fait. Ouais. En fait, faut. Vous jouez dans deux univers parallèles. Attends. C'est pas moi qui a voté les règles du golf. Hein. Oh non bah, hors limite, coup de pénalité. Aïe aïe aïe. Boon, je vais y aller à fond là. Sur bah coup-là. C'était sûr, je savais que t'allais prendre le risque. Oh, le risque, ça paye les gars. Ouais, ça paye les amis. Un coup de pénalité, c'est plus un au score, d'accord, ok. Ouais, c'était chaud, franchement, j'y ai pas trop cru. Non. Je suis désolé, Nubi. Eh, tu peux me laisser jouer là? Non. Aïe, coup dur. Ouais, c'était chaud, ça m'a bien réussi. J'aime bien parce qu'il y a un silence de fou avec le golf et t'attends quelle intimité. Fais gaffe, ouais, parce qu'il y a du vent en face qui va vers le haut. Donc faut que tu le prennes en compte, tu vois. C'est bien joué, Nubi. Ok. Ok, maintenant c'est à moi de jouer. C'est pas un peu la merde pour rejoindre le truc avec ton truc? Ah, c'est du sable, c'est pas des rochers, ça va. Comment genre... Tu crois que tu passes à travers les buissons? Non, mais là je vais passer en hauteur. Parce que tu sais, c'est le truc qui tire en hauteur. Ok, je vais essayer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait manger par le buisson. Il était censé tirer en hauteur, je me suis pris les buissons en plein dedans. Oh bordel. Bah, je vais essayer, hein, franchement. Mais pourquoi j'ai frappé si peu fort? Elle est où ma balle du coup? Je joue plus en fait. T'es dans les buissons. Ouais, t'as cru que j'étais mort? Non, j'ai pas cru. Alors que je suis toujours là. Depuis le vent, oui, je sais. Vous aviez cru quoi les gars? Ça c'est pour toi petit geek. C'est pour toi, regarde ça mec. Ah. Je me suis pris le sable, je me suis pris le sable. Pardon. Ça te fait rien en plus? Non. Mais j'ai cru. Aïe. Coup dur. Karma. Ouais, mais je me suis pris le sable, les gars. Vous êtes déjà pris du sable? Oh, oh, le vent! Ah, c'était chaud, c'était chaud. Mais le sable, il casse les cacahuètes. Tu joues encore. Ah, ok. Trop. Non, ah non c'est bien. T'as eu un plus 4. En vrai, c'est réglo, un plus 4, non? Bon, si je me rate, les gars, vendez-moi. Vendez-moi. Moi, j'ai eu un score plus 0. T'as vu ça ou pas? Dommage, Luby. T'avais géré toute la game. En fait, c'est parce que t'as pris des risques, ouais, sur la dernière. Risques, ouais, c'est ça. Ce qu'il faut retenir de ça, les gens, la leçon qu'il faut retenir, prenez des risques. Exactement. Bah non, non, c'est pas les pénalités, Kato, c'est le fait qu'elle ait fait beaucoup de coups pour arriver jusque là-bas. Bah si, bon, il y a les pénalités aussi, je suis sortie plusieurs fois du terrain. Ouais, mais je sais pas combien ça fait de points du coup. Un point, quand je sors du terrain. Plus un point. Et après, ça se passe comment?
Avec le nombre de coups que t'as fait, t'as eu combien au niveau des points? Parce que en fait, c'est pas. En fait, si tu fais 9 coups, t'auras pas 0. Et ensuite, les pénalités, tu vois, t'as forcément des plus en fonction du nombre de coups que tu fais. Et vu que Nubian a fait 9 alors que j'en ai fait 5, elle a forcément eu des plus parce qu'elle a fait un certain nombre de coups, quoi. Ah bah écoutez, les gars, moi j'ai trouvé ça super cool. Honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense, ok? Noob! Quoi? Tu mets 4 heures à mettre la musique. Mais non, t'inquiète. Les amis, je vais vous dire honnêtement ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est vraiment que là, si je devais pas me lever demain matin, je jouerais encore. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, ouais, je ferais encore sympa. Un autre mini-jeu avec toi. Il y a plein de trucs. Il y a le mini-curling, là. Ouais. Il y a le bowling. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait encore. Et puis, il y a des jeux, tu sais, que tu peux plus approfondir. Les jeux, on les a fait qu'une fois. Mais si tu te rends compte que tu vas faire plusieurs fois le golf, que tu vas faire le Uno, le mini-shogi, le shogi, même le Mancala et tout, c'est vraiment cool. Non, franchement, on a découvert vraiment le jeu de société. C'était vraiment sympa. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas encore. Et je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'il vaut ces 40€ pour vous? Honnêtement, Linkian, si t'as prévu de jouer avec tes potes et du coup en vrai, ligne ou en si, local, ouais. Franchement. Si, ouais. Carrément, en vrai, parce que tu vois, j'imagine. Bah, si le tu truc, compares à One Two Switch ou à ce qui existe aujourd'hui. Clairement. Franchement, clairement, t'as de quoi faire, il est clairement pas mal. Je vais vous dire un exemple. Okay. Je m'imagine bien inviter Anao, François, Katossé et jouer à tout ça, clairement. C'est le Kato, Kiana, il n'y a pas de soucis. Je passe vous souhaiter une bonne fin de soirée, une douce nuit. Kiana, je te montre un truc. Point d'exclamation Loki. Alors qu'en plus, en bas du stream, t'as mis la petite banderole Loki en plus. Mm. D'accord, ah ouais. Mais je vais vous donner un Passe exemple. Passe une bonne soirée, Kiana. Repose-toi bien. Une boîte de jeux Yams, les gars. Une boîte de jeux Yams, il faut savoir. Ça va te coûter peut-être 15€ le jeu de société, tu vois. Et ben là, t'en as 51 pour 40. En fait, ouais. Il faut le voir. Là, t'as 51 jeux de société. Tu vas jamais perdre tes cartes. Tu vas pouvoir jouer au Mastermind autant que tu veux. Tu vas jamais perdre tes billes. Et tout ça dans une Switch que tu peux transporter, que tu peux full jouer avec le mode tactile aussi, que tu peux emmener partout et tout. Vraiment. Oh, Kiana, le petit geek a parlé de ton site à sa mère et elle est intéressée. Mais trop bien le petit geek, ouais. Dis à ta maman que c'est des produits super bons pour la santé, qui sont éthiques, qui sont écologiques, qui sont fabriqués en France. Et c'est quand, le top, quand on les recevra, on fera une vidéo test. Crash test. Mais du coup. C'est tellement gentil, vous êtes adorable. Mais il n'y a pas Kiana, de soucis, Kiana, c'est normal. Chose. T'es notre ami. Ça fait tant d'années que tu travailles sur ce projet. En plus, c'est quelque chose c'est de cool. C'est quelque chose d'éthique, d'écologique, de génial. C'est un projet formidable. Donc autant le soutenir à fond. Donc n'hésitez pas si jamais les gens, les modérateurs peuvent vous faire le point d'exclamation Loki si jamais vous voulez en savoir plus sur la boutique de Kiana. Si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un panneau en bas dans l'onglet info si vous êtes sur smartphone et tablette. Le panneau Loki qui vous redirigera directement vers le site Loki. N'hésitez pas. Ouais, mais du coup les amis, dites-nous. Salut James, Maxime. Dites-nous les amis, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu là? Ça nous intéresse de ouf, mais en vrai... Il y a vraiment beaucoup de jeux de société qui sont full complet et que tu peux vraiment emmener avec ta Switch. Surtout que si tes potes ils ont la Switch, ils téléchargent un truc gratuit, tu peux y jouer avec eux, avec la Switch, tu sais, posée autour de la nourriture ou quoi que Exactement. Ce soit sans aucun problème. Donc c'est franchement, grave. Franchement, je suis tellement on a, en plus on a testé quoi, une dizaine de jeux quoi. C'est vraiment généreux. C'est toi qui as été généreuse toutes ces années avec nous. Je dirais juste que si vous avez prévu d'y jouer tout seul, je pense que c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, comme beaucoup d'autres jeux, comme Mario Party, mais et en tout, soi, c'est même, à plusieurs. Même si vous êtes tout seul, vous pouvez y jouer online. Oui, vous pouvez jouer en ligne avec des gens. Imaginez juste, vous adorez les échecs, bah vous pouvez juste jouer aux échecs toute la journée avec ce jeu en fait, ouais, et en ligne, en du coup, voilà. Donc c'est un peu le côté. Le jeu est bien meilleur que One Two Switch, bien meilleur. Mais après Linkian, tout dépend les genres de jeux que t'aimes bien d'habitude. Mais encore une fois, tout dépend avec qui Merci vous allez jouer. Twitter. Moi je suis sûr. Je suis sûr qu'avec Nubi le soir, il y a grave possible qu'on lance le jeu juste pour se poser et jouer à des jeux de société ensemble, tu vois, quand on n'a pas forcément de jouer à un jeu d'action et tout. Et moi je sais que Est-ce si on a des amis qui achètent le jeu. On peut deux fois le jeu sur deux consoles si on l'a acheté. Alors en oui, Matt, mais de toute façon ça sert à rien parce que si t'achètes une fois le jeu, tu peux connecter n'importe quelle Switch au jeu gratuitement en fait. T'es pas obligé d'acheter deux fois le jeu pour y jouer en local.
Voilà, donc c'est ça, c'est ce truc qui est trop bien. Et comme je disais, je pense que si on a des amis qui achètent le jeu, moi, je pense qu'il y a grand moyen de faire des sessions online avec eux. Sachant qu'en plus, quand vous y jouez avec les salons en amis, il y a le truc, le chat vocal avec, qui est intégré dans le jeu. Hein. Donc du coup, voilà quoi. Ah oui, mais exactement, LinkedIn, c'est ce que je disais. Pour moi, ça te concerne pas trop, tu vois, t'es pas trop la cible. C'est plus en mode si t'as envie de chiller avec tes potes et tout. Eh bien, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. J'espère que ça vous a bien fait marrer de nous voir tester des jeux. Il en reste encore plein. Donc, Nubi... Pour le Google Home, c'est vrai, vélo? Attends, je vais aller voir. Ouais, on va regarder ça. Mais en tout cas, Nubi, n'hésite pas à me dire, toi, ce que t'en as pensé. Est-ce que moi, tu penses qu'on fera un live cool. dessus? Ouais, carrément, c'est grave jouable. Et les amis, Kiana... Il y a Kiana qui a récupéré une roue des croquettes x10 x10 les gars. On va la faire, merci beaucoup Kiana. Merci beaucoup Kiana. Mais oui, on peut faire des parties privées, oui. La distribution de Google, de croquettes par Google Home de Valériane. Voilà, merci okay, beaucoup Google. Kiana. Ok Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 1000. Voici un nombre au hasard, 850. Oh, 850, mais c'est énorme 850. Donc déjà 850. Et ensuite, on va vous faire la tournée. La tournée x10 de la part de Kiana. Faut savoir, Kiana, que t'étais pas tout à l'heure. T'étais pas là. Mais du coup, il y a une roue des croquettes x10 de la part de Kato. Et elle a claqué les 1000. Donc ça fait 10 000 croquettes. Elle est tombée sur les 1000. Du coup, 10 000 croquettes pour tout le monde. Oui, exactement, Link. Du coup, les amis, n'hésitez pas à lui dire si vous achetez le jeu. Pourquoi on y joue ensemble. On verra si on fera des lives dessus. Mais je pense qu'il y a grand moyen. Et on verra pour faire du jeu. Oh, il y a Warfleur qui a récupéré une roue des croquettes x3. Warfleur, merci beaucoup pour la roue des croquettes. Attends, bienvenue, attendez les gars. On va faire la roue des croquettes x3 en premier. Pour le suspense pour ou pas. Pour le suspense. Allez, vas-y. Pour le suspense. La x3 en premier. Warfleur, on te fait ta x3. Vas-y, je vais valider ça. On sait même pas c'est quoi encore. 50 x3. Ok, donc est-ce qu'on aurait bien fait. Peut-être. Plus 150 du coup. Merci okay. beaucoup Warfleur. 150. Parfait. Donc ensuite, maintenant, les amis, la roue des croquettes de Kiana x10. Mais non. Mais non. Deux fois dans la même soirée. Ça fait tout simplement 10 000. 11 000 croquettes du coup. Bah oui. 11 000 croquettes. Ah, vous faites pas les choses à moitié quand vous claquez vous des croquettes. Vous faites les choses bien, vous. Ah ouais, non mais ok. Ouais, je sais pas ce que je faisais. Bah non, je sais pas ce que tu faisais. bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé avec à nous ce live. Soir, merci plus 20 000 cas en un live. Quelle indignité. Quelle dignité. Incroyable. Ah, incroyable, vive les croquettes. Oh mon dieu, quel truc de fou. Non mais vraiment, franchement, je vous conseille le jeu. Si vous avez des frères et sœurs, des amis, n'importe quoi. Ouais, si vous avez. Et du coup, tenez au courant d'ailleurs nos amis si vous achetez le jeu. Parce que franchement, si on peut jouer ensemble, ça peut ça être peut cool. Ça peut être grave cool. Tu fais un gros check, Ben. Check. Faire du mastermind. On verra si vous êtes plus fort que nous ou pas. Bon les amis, est-ce que tout est bon pour toi, Boud? Tout est bon pour moi. Tout est parfait. Mais déjà. Non, Lulu. T'inquiète, Lulu. T'as fait claquer les demi-croquettes tout à l'heure. Non, t'inquiète pas, Lulu. C'était juste un manque de chance. Tout va bien. Salut, Miaid Katz. On va très très bien. Je suis désolé. T'arrives à la fin du live. À la fin du live, je suis désolée. Ce live était assez court. Mais nous, travaille demain. On veut pas traîner trop tard. On est désolé. Mais vous inquiétez pas, il y a un autre live demain de toute façon. Bah, bien sûr, les amis. Je vous retrouverai demain, les amis. En tout cas, c'est les gars, si vous avez kiffé le live, n'hésitez pas à vous follow pour voir les prochains lives. Ça fait toujours plaisir, les gars, c'est gratuit, c'est avec le petit cœur. Merci à tous les subs d'être là. Merci à tous les gens qui nous regardent, qui nous soutiennent en étant là. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Merci aux gens qui regardent les pubs Utip,
quasiment 3100 pubs. C'est énorme, 3100 pubs. On va regarder pour vous faire un raid s'il y a quelqu'un de connecté. Parce qu'on adore vous faire des raids, parce que en fait Twitch c'est du partage, vous nous partagez des trucs, on vous partage des trucs et on aime bien partager avec les autres streamers. Les amis, il y a Ygraine qui est en live sur Planet Zoo. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'arrête, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc les gars, on va raid Ygraine. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou à son zoo là. Sinon, j'ai vu que Nintendo il a gagné 8500 croquettes et que Vélo en a perdu 17000. Je suis désolé, mais voilà. C'est Ygraine 252, je crois, Boone. Je crois. Hein. Vérifier. Donc voilà. Non, franchement, elle est en plein défi en plus, je crois. Ah oui, bah parfait alors. Parfait. Mais franchement, c'était vraiment cool et vraiment content d'avoir testé tout ça avec vous parce que on n'attendait rien de ce jeu. Encore merci la boîte com de nous l'avoir envoyé. Merci beaucoup. Et franchement, j'en suis vraiment agréablement surpris. On a joué à 10 jeux sur les 50. Ça nous a pris 1h30. On a fait juste une session rapide à chaque fois. On n'a jamais fait. Il y a encore plein de trucs. Le jeu du fou, les dames chinoises, les backgammon, le volte-face. Il y a tellement de trucs. Que ça peut vraiment être sympa. Ça peut vraiment être cool à découvrir avec vous tous les gens. Mais du coup voilà les amis, on va vous laisser pour ce soir. Yes. Restez, participez au raid, ça vous fait gagner des Goombo Points et en plus ça soutient les petits streamers, donc n'hésitez pas. Et je tiens juste à dire avant de partir qu'avec toutes les parties qu'on a fait, on a ex aequo, on a 7 et 7. Oui, donc on a fait 14 jeux, 7 et 7. Donc les gars, si c'est on pas... On a fait les points ex aequo tous les deux avec nous. Mais du coup n'hésitez pas à rester pour faire un petit coucou à Ygraine. Oui. Même si vous partez vous coucher ou autre, un petit coucou, ça fait toujours chaud au cœur pour le streamer, donc n'hésitez pas. C'est ça. Merci aux follow, merci aux subs, merci aux viewers, même aux viewers de l'ombre. Merci infiniment. Vous nous aidez énormément. Que vous le vouliez ou pas, même quand vous êtes dans l'ombre, vous nous aidez les gens. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je dis merci aux modérateurs et aux animateurs pour leur travail. Merci à tous d'être là. On se retrouve demain pour un nouveau live. Je vous fais des bisous. Faites des bisous à Ygraine pour nous. Et...